Et bonjour à tous et à toutes, c'est Igloo de Game Forever pour un live particulier. J'ai depuis quelques temps très envie de me lancer dans le randomizer de Metroid Prime. Alors pour tout vous dire, j'en ai jamais fait. Je ne sais pas si je vais réussir, parce que ça peut être très compliqué. Qu'est-ce que c'est le randomizer? Globalement, pour ceux qui ne connaissent pas le but, hein, c'est que tous les objets, que ce soit les missiles, les énergies tanks ou bien sûr aussi les améliorations, hein, la Morph Ball, etc., est disséminé de façon aléatoire là où normalement il y a des objets. Par exemple, je dis n'importe quoi, là on récupère le missile après le premier boss, entre parenthèses, on est censé récupérer un missile. Là, ça peut très bien être la phase en suite, par exemple. Voilà, c'est pas impossible. Il y a peu de chances que ça arrive, hein. Mais c'est pas impossible. Et vous allez voir, en fait, je peux. Vous voyez, quand je clique, j'ai ce qu'on appelle un tracker d'items pour savoir où est-ce qu'on en est un peu. Je regarde juste quelque chose, voir si tout marche bien. Oui, ça a l'air de bien marcher. Est-ce qu'on m'entend bien? Juste, regardez si on m'entend bien. Oui, on m'entend bien, parfait. Hop, le tracker marche. Tac. Donc, reset, hein, bien sûr, puisque on n'a encore rien fait. Par précision, donc c'est la version GameCube. Je n'ai pas d'adaptateur pour jouer avec une manette GameCube. Je joue en émulateur. Donc la jouabilité, surtout après passer presque 50 heures sur la version remastered, risque d'être compliqué, réellement compliqué. Chose qui est aussi super cool par rapport au randomizer, c'est qu'on n'a pas à se taper bien sûr la frégate au début, puisque de toute façon ici il n'y a rien à récupérer, hein. Voilà, j'avais juste lancé voir si ça marchait. On peut même effacer, hein, c'est pas un souci. Hop. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est vraiment la première fois que j'en fais. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je pourrais me réussir à finir ça? Puisque le randomizer, c'est pas uniquement le problème de rester bloqué. C'est aussi d'être dans des endroits qui seront trop difficiles. Parce que bon voilà, moi Metroid Prime j'y ai beaucoup joué. Mais je suis pas non plus un pro, hein. Voilà, je me fais déglinguer, etc. Donc bref, on verra bien. On va jouer en normal. C'est sûr qu'on jouera pas en difficile. Le jeu étant déjà pas... En fait, le jeu est pas super intéressant au niveau de cette difficulté. Pour ceux qui ont joué, en fait, globalement, c'est que vous faites moins mal. Ou les ennemis sont plus résistants, mais je crois que le principe, c'est qu'en fait, on fait moins mal, puisque même les objets qu'on doit détruire font moins de dégâts. Enfin, il faut plus de missiles bon pour les détruire. Et bonjour à tous ceux qui arrivent. Encore une fois, hein, on n'est pas sur la version remastered. Ça n'existe pas, le randomizer, sur la version remastered. On est sur la version GameCube d'origine sur émulateur. Ce qui fait que ben, forcément, hein, ça rend un peu mieux quand même que sur GameCube. Hein, puisque ça va lisser un peu le... ça va un peu lisser tout ça. Donc voilà, j'ai quasiment rien fait. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller en premier. On va essayer de faire un peu de façon classique ce qui est dispo tout de suite. Le seul truc que je sais, c'est que je crois qu'il y a une possibilité en cas de... Je sais pas s'il y a une possibilité de... Déjà, est-ce que le jeu tourne bien? Oui, il tourne bien. Bon, parfait. Alors voilà, jouabilité, ça va être compliqué pour moi de passer au double stick et là revenir sur un truc ultra classique. Ultra, on va dire, voilà, ancien quand même, faut le dire, hein, 2002 aux États-Unis, 2003 chez nous, ça va être quelque chose. Bon, alors qu'est-ce qu'on a déjà ici? Oh, on a le grappin qui est juste au début, mais ça, il nous faut la Morph Ball. Oh, ah ouais! Ah ouais, ça va changer vraiment totalement la façon, de faire le jeu en fait, hein, vraiment. Allez, on y go. Alors...
Pour l'instant, on va faire vraiment en mode classique, hein, on va aller voir là où il faut aller normalement quand on commence le jeu. Puis alors pareil, le scanner sur le remaster, c'est à droite. Me demandez pas pourquoi ils ont changé ça. Mais dans la version originale, c'est à gauche. Bon, il va falloir s'habituer à des petits trucs comme ça. Alors le jeu est en anglais. Pour la simple et bonne raison que le randomizer n'existe pas pour la version PAL, mais uniquement la version NTSC. Donc là, je sais plus quelle version j'ai. Est-ce que j'ai peut-être même la 1.00 qui est une des plus buggées, mais buggée pour ceux qui connaissent ce jeu. Voilà, hein, ce qui est pas, enfin, qui connaissent réellement le jeu, c'est-à-dire comment casser le jeu, quoi. Ce qui est pas du tout mon cas. Moi, je connais bien le jeu, mais je connais pas les, voilà, je connais pas comment casser le jeu, quoi. Donc, on arrive aux ruines Chozo. Oui, ça c'est dommage par contre dans le... Cette petite animation de la main là, elle apparaît très très peu dans le remastered. En fait ça c'est ce qui sert de viser libre. On peut pas se déplacer, enfin on peut pas marcher. On reste sur place. Et ça, cette animation elle est quasiment plus sur la version remastered. Pour l'instant, la jouabilité se passe pas trop mal. Après, j'avais vite fait tester un peu hein, quand même. Hein. Pour les boutons, etc., j'ai inversé des trucs. Là, je suis sur une manette Xbox. Donc, c'est vrai que c'est pas aussi bien qu'une manette GameCube. Mais bon, on fait avec ce qu'on a au moment où on souhaite faire le stream. Et franchement, ça marche, sans souci. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, c'est les doubles... C'est les jumps, ça, non? Ouais, c'est ça, c'est double saut. Ok. Donc le double saut est pas forcément très loin non plus. En fait, ce truc qui me fait peur sur le randomizer, c'est qu'il faille utiliser des techniques de speedrun pour casser le jeu à certains endroits pour atteindre certaines choses. Mais peut-être que c'est pas le cas, hein. J'avais le choix au début entre faire un randomizer classique ou beginner friendly. Bon, bien sûr, je suis un connard, donc j'ai pris classique. Donc, à mon avis, je serais pas étonné que d'ici allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, je dis bon, les gars, c'était sympa, mais je suis complètement coincé. Mais ça, écoutez, on verra bien. Hein. On verra bien. Ah, c'est le temps d'avoir le jeu en main. Hein. C'est quelque chose à jouabilité GameCube, surtout sans mettre GameCube. Ah, bah c'est des missiles là. Ah, nickel. Bon, bah ça, on commence classique. Les missiles comme dans le jeu de base. Ça, c'est cool. J'arrive pas à me prendre la tête diplôme pour savoir où sont les missiles. Bon, on va pas scanner. Hein. On n'est pas là pour scanner, on est vraiment là pour jouer. Alors, allez. Oh, comment a-t-il osé me taper? Le boss le plus intéressant du jeu, bien sûr. En plaisante, en plaisante. Oh, ça va, calmez-vous. Oh. Il en reste combien là? Il en reste plus qu'une, non? M'emmerde celle-là. Voilà, c'est bon. Donc là, missile, c'est ça? Yes, missile. Et missile. Oh, par exemple, ça change pas trop. Donc là, normalement, si j'ai bien configuré, hop. Missiles 1 et 2. On a donc un total de 10 missiles.
c'est parfait ça. Hop. Donc le tracker normalement devrait marcher, j'espère qu'il marche bien le tracker. Je vais juste vérifier quelque chose. Je vais juste vérifier. Est-ce que le tracker marche bien? Le tracker marche bien, mais c'est parfait ça. Hop, comme ça vous pouvez suivre en direct mon avancée aussi. Hop. Tac. Tac. Alors ça, vous voyez, par contre ça... Ah non, mais là j'ai pas le... Dommage, j'ai pas le charge beam qu'on arrache, je sais pas quand. Hein. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est un effet qui a disparu du remastered. Malheureusement, on peut pas tout avoir. Il hein. Y a pas y a les effets de lumière en fait quand on balance un charge beam dans un couloir hein, qui ont disparu. Hein. Je l'ai pas eu le truc, je crois. Hein. Je crois que je l'ai pas eu là. Je crois que je l'ai pas eu. Hein. Je sais pas. Peut-être que je l'ai eu. Oh, je crois que si en fait. Je crois que si. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ça ressemble au... Pas à la boule morphing, mais aux bombes de la boule morphing. Faites voir ça. Exactement. Hop, alors. Là, sur le petit logo, là. Voilà. Alors... Je vais quand même aller voir par pur, on va dire, voilà, vu que c'est un randomizer, mais normalement ça c'est juste la carte. J'espère que vous avez pas, j'espère que vous avez pas la souris depuis tout à l'heure. C'est vrai que je sais pas si je l'ai mise. Bon, j'ai la map, c'est cool. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a déjà? Là-dedans, non, je crois que c'est ouais, c'est au milieu. Hein. Il me semble pas qu'on puisse voir. Là, c'est pareil, je pense pas qu'on puisse voir. Non, on sait pas ce qu'il y a ici, donc. À revenir, faut bien y penser. On va les sauvegarder. Pas que j'ai fait grand chose, mais je veux voir si tout marche correctement. Si la sauvegarde marche bien. Je pense que oui, parce que tout à l'heure j'ai sauvegardé de toute façon en arrivant sur Talon. À vous de son. Pas de temps. Ah, attendez, je vais scanner un truc. Est-ce que c'est. Non, ok. Parce que je sais, genre, je sais pas si ça sera le cas dans certains écrits. Je sais qu'il y a des aides des fois dans les écrits en fait. Sauf que je me suis pas du tout renseigné sur lesquels. Est-ce que c'est dans les entrées des pirates ou les artefacts? J'en ai aucune idée. Ah, je me suis fait éclater là. Oh là, mais attendez, là-bas c'est une. C'est une bombe de puissance? Non? Non, pas la porte s'il vous plaît, le reste. Merde, ils m'aident pas. Mais je crois que c'est le monde de puissance. Hein. C'est vrai qu'on joue, moi je fais jamais attention à quoi ressemblent les trucs. Là-bas y'a quoi? Ok, là-bas c'est un missile aussi. J'ai pas fait au début quand il nous montrait la carte, c'est un missile aussi. Ça a l'air d'être un missile, je crois que c'est un missile. Je crois que c'est un missile. Alors on va aller là, juste pour vous montrer un truc parce que je... En fait, vous voyez, je pense qu'on peut vraiment se softlock si on connaît pas assez bien le jeu. Et ça se trouve, attention, hein, j'ai beau connaître le jeu, ça se trouve, je vais me softlock. Hein. Puisqu'ici, en fait, pire si je me plante, j'enregistrais avant.
ici, normalement, c'est ici qu'on récupère la Morph Ball. Je suppose que c'est pas là. Oui, là, vous voyez, c'est un missile. Le problème, c'est que si on tombe, pour ressortir, on peut pas. Il faut la Morph Ball. Donc là, ben, à mon avis, on est baisé. À mon avis, on est baisé. Donc bien enregistrer souvent quand même, pour éviter de refaire je sais pas combien de minutes de jeu en cas de softlocked. Alors pour ceux qui ignorent ce qu'est le softlock, le hardlock c'est quand vraiment le jeu plante. Vraiment c'est voilà, le jeu plante totalement et on peut plus rien faire. Le softlock c'est qu'en fait on est à un endroit où on ne devrait pas être. Souvent c'est à peu près ça. Hein. Et donc on peut plus avancer. Le jeu tourne, il n'y a pas de souci, mais on est à un endroit qu'on ne devrait pas être. Ce qui fout un peu la merde. Alors là, ce que je vais faire, vu qu'on a les missiles, c'est aller vérifier 2-3 petites zones, voir ce qu'il y a. J'aurais bien récupéré la Morph Ball. Mais j'ai les bombes. Et donc, si on a les bombes, on peut récupérer le double saut rapidement. Et on peut récupérer le grappin. Ce qui serait assez fou quand même dès le départ. Ça ouvre très rapidement les possibilités de. D'endroits visités, même trop. En fait, c'est assez impressionnant votre randomizer. J'ai beau connaître le jeu par cœur, c'est vrai que le. Après, par où passer, etc. On est toujours un peu en mode automatique au bout d'un moment. Quand on connaît un jeu par cœur et on fait plus trop attention. Mais c'est pas grave, on va faire zone par zone tranquillement. Dis donc. Voilà. Ah merde, on peut pas monter ici. À gauche, enfin, à droite plutôt. À gauche. Ah, peut-être passer par contre là où j'ai tué la plante. Hey, salut Darmaniac, tu vas bien? Ah d'accord, je savais pas. En fait on arrive toujours par l'autre côté normalement dans le jeu de base. Mais là vu que je suis en randomizer, on passe par là. Et bah allez, on va aller voir directement en bas. En fait j'ai envie d'aller voir sous la sous le pont ce qu'il y a ici. Mais non. C'est la Morph Ball ? Mais oui, c'est la Morph Ball. Oh là 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 là. Eh ben écoute, ça va bien. Hein. Petite soirée randomizer donc sur Metroid. Au cas où tu ne saurais pas ce qu'est le randomizer, hein, simplement, c'est tous les objets du jeu qui sont remis n'importe comment sur la map et faut trouver sans. Bien sûr, comme je le dis depuis le début, essayez de ne pas se softlocked, donc ne pas se mettre à l'endroit où on pourra pas sortir parce qu'on n'arrête pas le bon objet. Je pourrais remonter et chercher le grappin et le double saut. Et bah, c'est ce qu'on va faire et on reviendra ici après. Parce que double saut et grappin, dès le départ, c'est quand même pas dégueulasse. Normalement, j'ai les bombes. Hein. Normalement, faites voir ça. Oui, j'ai les bombes. Ah, je vais habiter pas facile, hein. Ah, je vais habiter Gamecube. Je suis un peu en galère, mais ça va. Ça va, ça va. Je me tâte à acheter un petit adaptateur là, à 20 boules sur Amazon. Pour pouvoir jouer au jeu Gamecube avec une manette Gamecube, hein, parce que j'en ai plein. Merde, je suis tombé. Il m'en reste 3 des manettes Gamecube. Elles marchent normalement, elles marchent parfaitement. Donc je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah ouais, le double saut, on va aller chercher maintenant. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Hein. Il me semble qu'on peut. Hein. Double saut, il suffit d'avoir les... Ouais, il me semble qu'on peut. Hein. Bon, Damanak, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais en ce moment en jeu? Comment tu vas? Comment explique? Dis-moi tout. Hein. Ah ouais, non mais la Gamecube, moi de toute façon c'est la première console que j'ai pris sur cette génération là, je parle hein, bien sûr, parce que c'est la première console que j'ai eue, c'était la NES. La première console que j'ai achetée par mes propres moyens.
via les anniversaires et Noël, etc. Mais c'était quand même avec mon argent de poche, on va dire. C'était la 64. Et puis après la GameCube. Mais ouais, ouais, non, c'est clair, la GameCube, c'était une sacrée console. Hein. D'ailleurs, j'ai acheté la Xbox, après en deuxième, juste pour Halo 2 et quelques autres jeux, KOTOR, KOTOR 1, KOTOR 2, Jedi Empire. Kanami, hein, Régis en l'occurrence, m'avait prêté sa Xbox pour se faire KOTOR 1. Et le Halo, franchement, comme toujours, Régis, toujours là, je le connais depuis des années et toujours un ami précieux. Et après j'ai revendu la Xbox première du nom pour acheter la PS2. Malgré que j'étais un gros fan de Metal Gear Solid 1, j'avais pas acheté la console. D'une, elle était super chère, la PS2, au départ. J'avais attendu très longtemps, et le jeu qui m'a fait acheter la PS2, rien à voir avec Metal Gear ou quoi que ce soit, c'est Shadow of the Colossus. Ah, j'ai vu le trailer, j'ai pété un plomb. J'ai pété complètement un plomb. Et pour la petite aussi anecdote par rapport aux consoles et à Metroid surtout, faut savoir, c'est que Metroid, moi à la base, j'aime pas du tout. Ah, mais vraiment pas. J'ai acheté le jeu à sa sortie, le jour J, hein, vraiment. J'étais sur mon magasin dans ma ville. Enfin, dans ma ville, on dirait que c'est ma cité. Mais. Je suis allé jusqu'à Fendrana, un peu plus loin que Fendrana. Et j'ai vraiment pas du tout aimé. Mais depuis, par contre, ben. Hollow Knight qui m'a un peu. C'était un peu un choc du Metroid, Tania. Et depuis, ben, je suis fan du genre, hein, c'est vraiment mon genre préféré. Et Metroid Prime, j'en suis devenu complètement fou. Hein. Allez, cassez-vous là. Putain, là, on a récupéré les doubles sauts, c'est ouf. Ok, alors attendez, faut quand même que je note sur le tracker que j'ai récupéré le double saut. Hop. Voilà. Après, faut qu'on... Ouais, si on peut pas récupérer un peu d'énergie tank aussi. Hein. Un peu de vie serait pas de refus. Hein. Ah, mais maintenant que j'ai le... Oui. Maintenant que j'ai la mort boule, on va pouvoir... aller là où je voulais aller tout à l'heure, mais qu'on pouvait pas. Est-ce que je peux monter là-bas, genre pour aller chercher le... Ah merde, il y a l'arbre qui m'a gêné. Pas loin. Bah attendez, il y a eux qui vont faire chier. On va essayer un peu des tricks là, vu qu'on est tranquille en petit comité. À quoi tu joues en ce moment, d'Armagnac? Je sais que t'es comme un. Je sais que t'es un gros gamer aussi quand même, tu joues pas mal. Attends, jeu, tu me dis que tu peux pas les prendre ça. Eh, on ne savait pas un peu de me niaiser là. Je suis sûr qu'il y a moyen là. Bah bien sûr, en décalant son saut, c'était obligé. Qu'est-ce que je souhaite faire? Ah oui. Bah si, elle est là. Elle est là. Et ne pas oublier, hop, de rajouter le total de missiles que j'ai récupéré, puisque je suis à 15. Oh le con! Oh j'ai pris cher! Oh. Oh non! Putain, je vais crever avec ces conneries! Merde, c'est pas... c'est pas le même bouton que sur Switch. Ah là, pour les combats, ça va être quelque chose les premiers temps, je vous le dis. Hein. Heureusement, je vais pas radin en vie, heureusement.
Ah bah c'est un peu pareil, hein, je me lance pas. C'est un peu... Alors voilà, Darmanin qui nous dit qu'il, joue pas à grand chose en ce moment, puisqu'il attend Tears of the Kingdom. Bah, je veux dire que je suis un peu pareil en fait, j'ai pas envie de me lancer dans un gros jeu vu que bah, y a moins d'une semaine d'attente maintenant avant Tears of the Kingdom. Donc c'est vrai que. Voilà, je me suis dit, tiens, en ce moment, pourquoi pas un petit randomizer, c'est la première fois que je tente sur un de mes jeux cultes. Enfin culte, qui est devenu culte avec le temps encore une fois, parce que moi j'ai pas du tout aimé la première fois. J'ai redécouvert le jeu en 2020, j'avais beaucoup aimé, c'est encore en le refaisant en 2023, je me suis dit non mais... Igloo, sois pas con, ce putain de jeu est un chef d'œuvre quoi, ce Metroid Prime. Encore des missiles, donc j'en ai 25, bien que je note. Mais bon, je suis d'accord avec toi, hein. T'inquiète pas que dès vendredi, ou j'espère jeudi, je n'aurai de yeux que pour un certain... Breath of the Wild. Je sais pas si je peux réussir à monter. C'est chaud. Est-ce qu'il n'y a pas un... Là j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rebord un peu là. Faites voir là. Genre là. Non. Je vais trop loin à chaque fois. Non, elle veut pas s'accrocher à ce rebord là, ok. J'ai pas l'impression qu'on puisse. Est-ce qu'il y a pas un petit rebord là où on peut s'accrocher? Non, pas du tout, ok, bon, eh bien, écoutez. Let's go hein. C'était juste voir s'il n'y avait pas par exemple un energy tank. Putain mais le double saut direct c'est tellement bien ça. J'ai vite fait recommencer une nouvelle partie de Wind Waker HD, j'ai chopé sur la Wii à 50 balles que j'ai trouvé sur le bon coin. Ah Wind Waker, moi c'est un de mes jeux de cœur, aussi, hein, c'est vrai que... Bon, faut avouer que la seconde partie du jeu n'est pas la meilleure, mais alors putain quel jeu quand même quoi. Moi c'est... ouais. Moi vraiment le Zelda qui m'aura déçu. Définitivement, et peut-être qu'un jour il faudra que je le refasse, hein. Je leur donne une seconde chance, mais c'était le Twilight Princess. Je l'ai tellement attendu, et quand je l'ai fait, c'était pas un mauvais jeu, mais je me suis dit, putain, mais c'est... En fait, c'est un Zelda Ocarina of Time version HD, en fait, quoi. C'est un jeu qui manque clairement de... Comment je pourrais dire de... Ouais, il a pas sa patte, je trouve, quoi, ce Twilight Princess. Alors oui, il y a le monde du crépuscule. Qui, il faut avouer, a quand même franchement de la gueule et qui est super joli. Qui a, là, par contre, en effet, a sa propre identité, mais c'est pas suffisant. Le reste du jeu, je trouve, n'a pas assez sa propre identité. Après, c'est que mon avis, hein, bien sûr. Il n'y en a aucun cas une vérité générale. Alors que Wind Waker, hein, voilà, Wind Waker. Mais je crois qu'en plus, c'est la version Wii U. Tu me diras si je dis des bêtises ou pas. Ils ont mis une nouvelle voile pour aller plus vite. Pour la seconde partie du jeu, en l'occurrence, surtout quand il faut trouver la Triforce. T'as le grappin, c'est ouf. Hein. Dès le départ, là. Ah tiens, je vais aller au truc des Shozo, là. Au temple Shozo. Shozo, je vais y arriver. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à choper? Est-ce que c'est un artefact ou c'est autre chose? Parce que si c'est pas un artefact, c'est gratuit le truc qu'il y a. Et donc pour ceux qui ont joué au Remastered uniquement. Ah mais attends, il y a... Alors attendez, parce que j'ai beaucoup de mal avec la jouabilité, mais il y a aussi un autre endroit que je vais pouvoir aller en fait. Bah oui. Avec le double saut, je pense. Oui. Alors pour ceux qui ont Remastered et qui ont joué comme moi, à Metroid Prime avec les double sticks, quand vous sautez dans la version Prime Remaster, il se passe rien. Bon, vous avez vu là dans la version GameCube, elle a un très léger basculement vers l'avant. Ça permet vraiment de voir un peu ce qu'il y a, où est-ce qu'on va atterrir et où est-ce qu'on va quoi. Vous voyez, elle regarde en bas, c'est pas moi hein, qui fait quoi que ce soit avec le stick. Hein. Pas du tout.
Allô? Alors, qu'est-ce que c'est? Et non, c'est un energy tank. Donc c'est bien, tout est vraiment remis à zéro, quoi. Ok, c'est cool. Energy tank, c'est ce que je voulais. Cool. Donc on a pas mal d'endroits en fait où on peut aller. Je vais descendre un peu dans la... Ah mais attendez, à Magmore. Je peux pas aller n'importe où. Parce qu'il me faut la Varia Suit. Mais, je vais quand même aller voir pour récupérer la bombe de puissance. Putain, la bombe de puissance directe après quoi. Peut-être... Peut-être une heure de jeu? Ah oui, alors attendez, vu qu'on a le double jump, est-ce que je peux aller là où on récupère normalement? J'ai un doute, le doute m'habite, mais c'est pas impossible, hein. En montant sur mon vaisseau là, je peux monter sur mon vaisseau sans enregistrer. Ah, j'ai pas l'impression que le jeu le permette. Mais attendez, je pense qu'on peut dans tous les cas y aller en passant par là tout simplement. Hein. Tac. Et oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui nous attend là-bas? Putain, ce serait bien une suite ou un truc comme ça. Oh non, je crois que c'est la bouffe Boost Ball, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Oh là là. C'est coquin depuis tout à l'heure ce qu'on récupère là en très peu de temps. En passant par là, non, il n'y a rien de spécial, on va juste enregistrer. Si le jeu veut bien, merci. Ah mec, qu'est-ce que tu penses de mon habillage? Hein, franchement, c'est pas du habillage de pro. Non, je déconne, j'ai fait ça à l'arrache. Le principal, c'est surtout que ce soit fonctionnel. Et normalement, ça l'est, hein. Et donc, on va pouvoir aller là où je voulais aller. Je me comprends. Et à l'endroit où j'ai tué. Oh non, ce sera trop compliqué. On verra après. Je vais aller là de toute façon, puisque après ça me ramènera aux ruines Chozo. Merde, je me trompe de touche. Hop. Pour les missiles. Attention au poison. Bon. Ah, mais écoutez-moi cette musique. Non, mais de toute façon, l'OST. L'OST de ce jeu, mais c'est... Putain, mais c'est vrai que j'ai le grappin! On l'a cramé déjà? Allez! Ciao! Ciao, ciao! Mais je crois qu'en haut c'est une porte rouge, donc pourquoi je me fais chier à monter, ça sert à rien. Et puis il faut aussi la visée laser, parce que j'ai beau connaître le jeu. Ici c'est une salle où je vais très peu, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à ramasser normalement. Surtout que là je pense pas que ce soit comme dans la version remastered, je sais pas si on peut... Ah si, on peut les voir. Là. Bon, je suis tombé, mais vous voyez, on voit qu'il y a une plateforme. Et là je suis paumé, non c'est bon, c'est là. Ah,
J'avoue que le charge beam, ça serait cool de récupérer aussi. Parce que le charge beam au niveau... ne serait-ce que pour attirer les objets vers moi, ça peut vraiment être super cool. Hop. Je vais juste râler quelque chose, je vais prendre une seconde. Hop. Tac. Et je reviens sur le jeu. Me voilà. Ok, nickel, cool. Alors. Ah, mais oui, mais. Ah, mais non! Je suis un connard, je sais pas pourquoi je pensais pas à ça. Bah oui, je peux pas y aller là, forcément. J'ai pas la varia suite. Allez, on remonte, je suis un débile. Et oui, non mais là j'ai confondu sur un truc. Je sais pas pourquoi je pensais dans ma tête qu'en passant par là, ça m'emmenait à l'endroit après qu'on ait tué Flagra. Mais pas du tout, hein. Pas du tout, hein. Donc le Flagra qui est le premier boss du jeu. Là j'ai halluciné du cul. Hein. Alors. Bon bah allez hein, go, on remonte hein, c'est pas grave. Attends, on va tout niquer là dans 2 heures je vais finir. Non je déconne. Non mais écoutez, je suis déjà content qu'on ait passé quasiment les 40 minutes et qu'on n'ait pas été softlock. Parce qu'en fait j'aurais pu faire le con et aller dans la salle où je vous ai montré au début là. Et là on a arrêté, désolé du terme, hein, baiser. Donc c'est cool, c'est pas le cas. Et il faudrait que je me remette à Metroid Prime 2 aussi. C'est un lien que j'aime beaucoup mais qui est un peu plus... qui est moins maîtrisé, mais alors par contre c'est un jeu que j'ai beaucoup de mal à retenir le level design, là où quand même globalement maintenant dans ce Metroid Prime 1 je le connais relativement bien. Allez. Donc là en fait le chemin... Oui bah si. Alors attendez, avant de faire n'importe quoi, on va retourner là où je voulais aller justement. Hop, donc qui est ici. Vu que maintenant j'ai la boost. Hop, on monte là, tac, on se met là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, bombe de puissance! Mais... Ah oui, alors attention. Je peux la mettre ou pas? Comment on fait pour la mettre? Ouais, c'est le triangle. GG. Merci. Ok, donc là c'est avec. Enfin, c'est avec Y, hein, voilà. Pour être précis. Bon, depuis son. Bon, bien sûr, je l'ai déjà utilisé. Comme un connard. Mais. Ah, mais si! Mais je sais où je veux aller! Mais oui! Là, après avoir battu Flagra, on va y aller justement quand même. À l'endroit où je pensais aller tout à l'heure. Sauf que c'est après la zone du premier boss. Bien sûr. Enfin du premier boss. De là où j'ai récupéré les missiles en premier. Bref, je me comprends. Vous allez comprendre en me regardant. Et j'ai récupéré mon super... Non ! Oh non, c'est collé ! Non ! Ah si, c'est bon. Par contre, ce qui va faire bizarre par rapport au remastered ou même à la version Wii sur ce... cette version GameCube, c'est que sur Wii, ils ont mis un saut pour la Morph Ball. Un saut supplémentaire, en fait, en clair, le premier saut est gratuit, hein, il saute automatiquement. Ce qui n'est pas le cas dans la version GameCube. Et donc ça va complexifier certaines choses.
Bon, j'ai tout laissé sortir, moi, d'accord. Clodoman. Bon, en même temps, on s'en fout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? Oh, deux power bombs. Non, mais attendez, c'est la folie. Donc, power bomb acquis. Et on a 2 sur 4 quand même. Ah non, alors t'es comment ça marche en fait? Non, c'est... alors là, non. Non, ça marche pas comme ça par contre. 2 sur 4? Peut-être que si en fait. Peut-être que si. Peut-être que je dis de la merde, peut-être que c'est bien le cas. Par contre là, non. Là, non par contre. Là, ce que j'ai fait, c'est inadmissible. Allez, ouvre-toi s'il te plaît. Ah, c'est vrai que de ce côté-là sur le remaster, pareil. Pas de temps d'attente sur les portes, mais bon. Hein. Faut oublier quand même que ce putain de jeu reste un miracle, quoi, sur Incube. Ce jeu est un putain de miracle, vraiment, je comprends toujours pas comment les mecs de Retro Studio ont réussi à faire tourner ça sur Incube, quoi. C'est fou, c'est fou. Ah, attendez. Peut-être récupérer des trucs, là. Un peu de vie, même pas, je crois pas. Alors, et en fait j'avais un peu peur de pour repasser du remaster à la version GameCube, et globalement quand même grâce à l'émulateur qui là par contre voilà, grâce à l'émulateur qui va bien sûr avoir une meilleure résolution, en fait là j'ai mis une résolution en 2K. Mais en dehors de ça par contre j'ai pas mis de mods pour améliorer les textures quoi que ce soit. Là vous voyez le jeu tel qu'il est réellement, sauf qu'avec une meilleure résolution, ce qui est, on va le dire hein, quand même, assez cool. Attendez, je vais juste voir un truc, parce que du coup, est-ce que je peux l'affronter le boss en passant par derrière? Bah, je pense que oui, mais alors, est-ce que ça reste... Alors là, oui, ça fait un bouton que j'ai pas enregistré. Ce qu'on va faire, on va aller chercher ce pour quoi on est venu, et après, bah, on verra ce qu'on fait. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Et après on verra ce qu'on fait. Est-ce qu'on va affronter directement le premier boss? Est-ce qu'on peut l'affronter le premier boss en passant par derrière ou pas? Ou après on peut le faire aussi de façon classique. Hein. Alors là c'est un missile. Bon, on va quand même le faire hein, vu qu'on est là. Mais bon, c'est là où justement le fait de ne pas avoir le petit saut. Pour pouvoir sauter très haut tout de suite, bah peut-être nous jouer des tours. Parce qu'à une époque j'étais pas si mauvais que ça à poser plusieurs bombes, mais c'était avant. Ouais, deuxième coup, ça va. Bon, faut pas demander plus, hein. Faut pas demander d'aller plus haut que ça. Hein. J'y arriverai pas. Et les mecs sont vraiment trop chauds sur internet, hein, franchement. Et... putain. Encore une bombe extension, c'est dingue, quoi. J'en ai 3, quoi. Donc ce qu'on va faire, on va repasser par où je suis déjà passé. Je suis désolé, hein, là c'est un peu... Mais j'ai envie de voir un peu, j'ai envie de titiller un peu le jeu. En randomizer. Voir un peu ce qu'il va faire. Putain, faut que j'arrête, faut qu'ils arrêtent de mettre des trucs là. Qui se collent trop au mur et que je peux pas choper. C'est chiant. Donc on va l'enregistrer au cas où, bah, justement, comme je le disais, on soit softlock en passant par le mauvais chemin. Mais justement, je vais voir si le jeu me permet, ou pas du tout, de faire ce truc. Dans la version GameCube, ça me redonne toute ma vie aussi, ou pas du tout. Voyons voir. Oui, ça redonne toute ma vie. Ok, j'étais plus très sûr. Si ça avait été un rajout à partir de la version GameCube et qu'ils avaient gardé pour après le remaster ou pas du tout.
Alors je sais pas par chez vous s'il commence à faire chaud, mais moi il commence vraiment à faire chaud. Oh je me plains pas hein, mais là c'est vrai que j'ai dû fermer par contre malheureusement la fenêtre. Pour pas que vous ayez le bruit du cours d'eau qui est en bas de chez moi, parce que j'ai un tout petit cours d'eau. Mais on l'entend très 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 bien. Si je ferme pas la fenêtre. Je ferai peut-être une petite pause d'ici aller quoi. 10 minutes, un quart d'heure grand max. Prendre un petit un peu l'air là, parce que je commence à avoir chaud. Boire un petit coup aussi. Après je suis pas non plus en sudation hein, mais bon. Jouer et parler en même temps. On s'en rend pas compte pour ceux qui ont jamais fait. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude que moi, hein, moi je stream de façon très 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 éparse. Ça reste toujours un exercice assez intéressant, mais toujours physique, entre parenthèses. Ah bah non ! Ah bah oui ! Ah bah oui, bah voilà, la réponse est rapide. Je suis un connard, et puis voilà, faut pas aller chercher plus loin. Bien sûr qu'on peut pas passer. Alors le mec, il se l'est pété, ouais, non mais vous savez, Metroid Prime, je le connais par cœur... Samus, c'est la femme de ma vie, etc. Mais je me rends bien compte qu'en fait, dans les petits recoins, eh ben, je me trompe, comme là. C'est pas grave, hein, c'est pas... Par contre, j'aurais pas dû passer par là non plus. J'aurais dû repasser par l'endroit où j'ai récupéré la bombe. En soi, c'est pas très grave. Hein. Voilà, c'est une minute trente de perdu. Et puis bah on va se diriger tranquillement vers le premier boss, vers Flagra. Même s'il y a plein de petits trucs à voir avant. Allez vite, ouvre-toi avant qu'on m'agresse le cul. Merci. Hey, salut Twinsen, tu vas bien? Plaisir de te voir sur le stream. Donc, comme je le disais, je suis en randomizer, hein, donc le randomizer, c'est bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tous les objets du jeu sont de nouveau, sont éparpillés de façon aléatoire. Là, je suis donc en début de jeu, mais j'ai déjà, par exemple, les bombes de puissance. Un des trucs qu'on récupère en dernier, normalement, quoi. J'ai le double saut, j'ai le grappin aussi. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses, j'ai déjà la morph ball, j'ai déjà... Enfin bref... Pas mal de petits trucs. Maintenant, faut trouver le bon chemin. Donc on tourne un peu. Mais là ça va, c'est plutôt fluide pour l'instant, je pense que ça reste de se compliquer par la suite. Enfin du moins c'est une possibilité que ça se complique en tout cas. Et j'ai déjà aussi le boost, hein, le boost. Non mais vraiment là j'ai beaucoup de choses déjà. En fait il faudrait presque la varia en fait. Y'a quoi là? Oh y'a un artefact ici. Oh, il faut retenir qu'il y a un artefact, hein. Non mais je retiendrai jamais de toute façon. Donc en haut il y a Flagra, le boss, mais on va pas y aller tout de suite, on va aller faire un peu le reste. Et ça stream en 100 FPS parce que c'est pas. Là faut oublier que c'est pas le remaster, hein, c'est la version GameCube. Hein. C'est la version GameCube. Ça tourne sur mon PC en 2K tranquillement. J'ai laissé bien sûr le 4 tiers. Normalement, mon habillage est pas trop mal, ça marche pas trop mal. Normalement, vous pouvez suivre donc tout ce que j'ai ramassé sur la gauche. Hein, donc en l'occurrence, bombe de puissance, grappin. Double saut, un energy tank, 6 réserves de missiles, ce qui fait 30 missiles, et 3. Alors 2 ou 3, en fait je me rends pas compte. Non, je pense qu'en fait j'en ai fait un de trop des réserves de super bombes. Parce que, à mon avis, récupérer une super bombe ne correspond pas forcément à une. À une super bombe en plus. Enfin, bref, je me comprends. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, une réserve de missiles. Ok. Ah.
Non mais si, mais qui réfléchit. Je vais je commence à peu près à m'y faire, mais c'est vrai qu'après avoir passé 50 heures comme je disais sur la version remastered, ça fait bizarre de reprendre la jouabilité GameCube sans manette GameCube. Et donc comme j'expliquais à Darmanac tout à l'heure, je vais peut-être me prendre un petit adaptateur manette GameCube. Pas uniquement pour jouer à Metroid, hein, même si je pense que je vais beaucoup gratter maintenant le mode randomizer. Enfin du moins si j'y arrive, hein, et, mais je trouve ça plutôt cool. Mais aussi pour jouer à d'autres jeux, hein, même des jeux que j'ai hein, sur GameCube, par exemple j'ai Killer 7, Oui, je pense qu'on peut être planté, tout à fait. Je pense qu'on peut être planté, c'est une très bonne question, c'est ce que j'expliquais au début de stream. Twinson me demande si on peut être planté dans la progression suivant la combinaison aléatoire. En fait, tu peux pas être planté directement, c'est-à-dire que le jeu est fait de telle sorte, enfin l'aléatoire est fait de telle sorte que non. Mais par exemple, oh nom de dieu de merde la Spider Ball. Mais par exemple, c'est ouf. Par exemple, là, à l'endroit où il y a la Morph Ball normalement, moi j'avais qu'un missile. Si j'étais rentré dans la pièce, j'avais plus moyen d'en sortir. Mais c'est ouf. À part, mais là j'ai plein de trucs déjà. Ça me fait halluciner. Le jeu est vraiment très gentil pour l'instant avec moi. Qu'est-ce qu'on a là? Réserve de missiles? Allez, réserve de missiles. Bah, on va profiter que j'ai. Merde, hop, c'est pas le même bouton. Alors, c'est quel bouton sur GameCube pour s'accrocher? Ha ha! Ok, c'est ce bouton-là. Et un autre missile, ok. Parfait. Donc ici j'ai plus rien à faire. Donc voilà, après voilà, faut juste bien connaître le jeu et se dire attends, si je rentre dans cette salle, sans par exemple, je dis n'importe quoi, maintenant j'ai tout de toute façon, est-ce que je peux en sortir? Mais là je crois, attendez, fais le voir, que je regarde un peu mon truc. Je crois que oui, en fait j'ai tout ce qui correspond au mouvement. Le seul truc qui pourrait me bloquer à la limite, bah non, y'a rien en fait. Y'a plus rien qui peut me bloquer en dehors de tout ce qui est lié au phason ou au show. Donc par exemple la Varia Suite ou la phason Suite. Hein. Ou l'eau, bien sûr aussi. Mais je vais dire là maintenant, j'ai plus normalement de possibilité d'être bloqué à cause d'un mouvement que j'ai plus. Hein. Après je peux être bloqué parce que je suis aussi totalement nul au jeu et que la jouabilité est vraiment pas facile, mais ça c'est pas le problème du randomizer. C'est moi. La moindre erreur et tu rages. Bah écoute, ouais, on va voir, hein. Franchement je pense que si tu connais vraiment bien le jeu, et bon là maintenant que je l'ai quand même gratté comme je dis à peu près 50 heures, je l'ai fait quasiment 10 fois en version remastered, je commence quand même à peu près à connaître le jeu. Hein. Maintenant on n'est pas à l'abri d'une... une connerie de ma part. On va les enregistrer tranquillement. Hop. Ouais, faut connaître le jeu par cœur, exactement. C'est pour ça que je me suis dit, bon, maintenant que tu le connais par cœur, Igloo, en attendant TOTK, et pour les petits streams, bien sûr, hein, c'est pas mon jeu principal, est-ce que tu te lancerais pas dans le randomizer, hein, hein? En fait, j'ai vu des mecs qui jouaient, je me suis dit putain, mais c'est vrai que c'est quand même super cool pour les jeux que tu kiffes et que t'as pas envie de lâcher pour relancer le truc quoi. Il y a les Dark Souls et tout, ça existe tout ça, mais faudrait que je m'y lance un jour. Faudrait simplement que je m'y lance.
Mais là c'était ultra rapide, hein, vraiment à installer, ça a pris 3 secondes quoi. C'est un programme qui est déjà tout fait, t'as juste à lancer, à créer la seed. Et puis voilà. Ensuite c'est tout bon. Oh là attendez, je crois que c'est quoi ça? Ah ça c'est l'amélioration pour le Wave Buster. Ok. Pour le Wave Beam, mais j'ai pas encore le Wave Beam, mais j'ai l'amélioration. Tac, ok, cool. Ok, où est-ce que je vais aller? Ah mais oui, c'est là, mais oui, je suis bête. Je vais donc affronter le premier boss du jeu, on va dire. Alors, avec la jouabilité GameCube, on va voir ce que ça va donner. Ça se trouve, je vais claquer. Ouais, en plus j'ai pas encore le charge beam. J'avoue que le charge beam par contre je voudrais bien l'avoir. Parce que ne serait-ce comme je disais pour faire pour attirer ce que laissent les ennemis. C'est quand même cool le charge beam. Hein. Ok, je peux pas sauter trop haut. Parce qu'en fait je me prends le mur tout simplement. Mon vrai problème, c'est que j'appuie pas des fois sur les bonnes touches. Donc ça, normalement, voilà, pour ceux qui veulent faire le jeu à 100%, n'oubliez pas de scanner ces enculés d'insectes, parce que j'ai dû recommencer le jeu quelques fois, malheureusement, à cause d'eux. Désolé pour l'insulte, hein, mais là, c'était quand même obligatoire. Hein. Ces règles sont nickel. Oh, c'est cool. Bah j'ai tout à l'heure j'ai bien galéré à essayer de voir entre le son du jeu et le son du micro. Donc ça fait plaisir. Merci Twinsen de ton retour. Non. Merci. Allez encore une fois ça devrait le faire. C'est bon, c'est good. Well easy quand même le boss, mais bon. Ah, un petit énergie tank. Normalement c'est ici qu'on récupère les bombes. Les bombes de... ces bombes là. Pour la morgue là. Et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? La surprise du chef. Oh! Non. Mais non. Mais non. La gravity suite. Le mec il pète un plomb. Mais c'est ouf. C'est ouf. Aïe 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 aïe. Comment casser le jeu. Alors par contre, petite question, et ça j'en sais rien du tout, on va les vérifier justement. Est-ce que la gravity suit, excusez-moi pour mon anglais dégueulasse, protège aussi du... la chaleur? Ou faut la varier à tout prix hein? Ça c'est la grande question. Je pense que tout le monde s'en branle ici à part moi. Ah mais attendez, c'est à dire qu'en fait on peut faire plein, on peut aller à plein d'endroits, je peux déjà aller dans la frégate. Waouh. Ah ouais, alors là pour le jeu vient de s'ouvrir mais de façon violente en fait. Ah ouais, mais là j'ai 10 000 endroits où aller en fait. Allez! Fais pas le con! Ah ouais! Ouais, ah ouais, là. Là j'ai 10 000 trucs à faire en fait. Oh non! Alors là, je suis un connard.
Mais non, deux fois d'affilée. Oh, on va devoir tout recommencer, je crois, les gars. Trois fois? Aïe, 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 aïe. Allez, on fonce. Sois sympa, le jeu. C'est bon. Attendez, attendez, attendez. Ok, 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 je veux bien accepter les insultes, espèce de sac, etc. Ok, mais les gars, la jouabilité GameCube, c'est quand même un autre temps, surtout sans la mettre GameCube. Mais je reste un sac, et j'accepte mon sobriquet de sac pour ce coup-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah mais attends, mais je peux directement aller là-bas? Oh! Un artefact, ah on prend. Alors, c'est lequel? En haut à droite, le petit en haut à droite. Ah bon, on voit rien là-dedans. On va dire que je pense que c'est celui-là, hein, d'après ce qu'ils disent. Ouais, ouais, ça me paraît être bien. Ah là 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 là. Mais alors là, le problème, ce qui me fait un peu peur, je dois bien vous avouer, c'est que j'ai pas le charge beam pour aller affronter les. Parce qu'en fait, je pourrais aller à l'endroit où il y a. Où est censé être les. Le ice beam. Le problème, c'est que c'est gardé par des fantômes Chozo. Et je crois qu'on. Qu'est-ce qu'on fait? On y va maintenant ou pas? Je sais pas. On va aller faire un tour. On va aller faire un tour. Merde. Putain, des fois je me trompe de bouton. Parce que j'avoue que le charge beam, ça m'arrête quand même bien chauffé. C'est quoi en haut? Oh, c'est un missile. Oh non, on va pas se faire chier le chercher. Parce qu'en fait, normalement, en fait, c'est caché ici normalement. Faut faire péter le sol avec le super missile. Et après, il y a tout un truc, mais alors relou max. Où en fait, faut monter, faire tout un petit chemin en haut là avec la speed. Le truc araignée, mais tu peux te faire choper par ces merdes. Non, franchement. Ça vaut pas le coup juste pour des missiles, surtout que je compte pas faire le 100%. Pam 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 pam. Bon, on va quand même y aller, on va quand même y aller. C'est quand que j'ai enregistré? Non, mais je pense à bien. Ah, bah non, je peux pas, j'ai pas le wave beam. Ok, bon bah voilà. Alors là, par contre, autant je connais le level design par cœur, autant contre les portes, j'avoue volontiers. Que les portes, ça par contre je connais pas du tout par cœur la couleur des portes. Ça c'est un truc où je pense c'est là où je vais perdre le plus de temps. Mais c'est pas grave, on va aller tout simplement affronter Flagra, le premier boss du jeu. Allez! Un petit charge beam, un petit wave beam là pour avancer un ch'touille. Ou autrement, là, même le ice beam, hein, je suis preneur. Le ice beam, ça serait le top. C'était vraiment powerful le ice beam. Ok! Alors, Flagra. Ah oui, non, bah attendez, je sais ce que je vais faire, mais oui, bien sûr. Mais oui. En fait, je voudrais bien aussi. En fait, il y a 2-3 trucs qui seraient vraiment parfaits. Les super missiles, ça serait top. Un charge beam, et il y a un autre beam, et là on est bon. Là, on est bon pour finir l'aventure en toute tranquillité. Un
Est-ce qu'on le voit d'ici là? Bah non, est-ce que c'est juste en bas? Ok, c'est pas grave. Alors par contre ça j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. On me traite d'autiste, c'est admissible sur ce chat. Il y a plus de respect putain. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je sais pas pourquoi sur le remastered, le scan est à droite. Tu te souviens, t'avais fait l'erreur aussi Twinsen quand t'avais fait, quand t'avais commencé le ton stream. Je crois que toi aussi t'avais dit putain, mais il me semblait que c'était à gauche, t'étais pas sûr à 100%, mais tes souvenirs étaient bons. Hein. Et c'est bien le cas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce changement. Là, j'ai mal à comprendre pourquoi. Un gaucher contrarié. Qu'est-ce que je fais? Mais je suis con, c'est là. Il faut griller. Ah, attendez, je vais essayer de tenter un truc. Je sais que c'est plus possible. Ah, je sens que c'est le truc. Je dois reprendre un quart d'heure en arrière si je le fais, si je le réussis. Non. Ah, pas loin, hein. Pas loin, pas loin. Non mais, écoutez, j'ai pas envie de me bloquer dans... J'ai pas envie de bloquer le jeu. En fait, je me tâte à aller faire Flagra. Pourquoi? Parce qu'après Flagra... Ah mais si, c'est pas grave. J'avais peur qu'il y avait les cavernes de Magmoire tout de suite. Mais en fait, pas du tout. Hein. Pas du tout. J'avais juste peur que la Gravity Suite ne protège pas de la chaleur. Que je me retrouve bloqué comme un con en fait. Parce que je peux pas avancer à cause de ma vie qui descend comme neige au soleil. À cause de... Que j'ai peu d'avaries à suite. Mais bon. Je pense qu'à mon avis, la Gravity Suite, une fois que tu vois... Le jeu pose pas de questions. Il se dit il a une meilleure armure. Forcément, il a donc la varia. Je suppose que c'est comme ça que le jeu, que les triggers marchent. Mais après, bon. Réponse, après le boss. Putain. Bah, il saute Samus! Bien joué l'esquive sur le côté. C'est bien. Ouais, bah là, ça va être le moment où on va voir en fait justement. Parce que normalement, la Gravity Suit, l'armure de gravité, je vais plutôt l'appeler comme ça, je crois que. Je sais pas, j'en sais rien en fait. Merde, me trompe de touche! Allo, allo! Combatté! Merci! Encore une fois, le boss n'est pas forcément très dur. Moi, ce qui me fait peur, c'est ma capacité à gérer la jouabilité à GameCube. Parce que tu vois, je me referais bien Eternal Darkness par exemple. Eternal Darkness, c'est un jeu que j'ai torché trois fois en fait pour avoir la vraie fin. Et vraiment, c'était un super kiff quoi. L'autre truc, bien sûr, il est à l'autre bout de la terre. Non, je crois qu'il va. Vite! Allô, Robité! Il est temps de le remettre ou pas? Non, je crois qu'il a pas eu le temps. Oh yes. Ouais, il était super cool. Et, super cool ce jeu. Et c'est vrai que. Alors pourquoi pas le refaire, voir si la vie. Enfin, je pense qu'il y a dû vieillir un petit peu, mais il y a, je me souviens du système de magie à base de runes, de grands anciens, façon Cthulhu et tout. C'était vraiment super intéressant.
qui m'emmerde vraiment à chaque fois. Ah mais attendez. On va faire des sauts carpés comme ça là, pour avancer plus rapidement. Tentacule qui m'a mis un coup, c'est admissible. Mais j'ai plein de jeux, hein, franchement, que j'aurais bien refaire sur GameCube. Ça reste quand même une console de fou, hein, comme des Armagnac. Même Wind Waker, c'est tout simple, parce que moi, c'est ça que j'ai pas la. J'ai jamais eu la. Wii U, hein, et enfin, ouais, que son moyen de faire le jeu, c'est via Wii U. Ouf, putain, il a bien fait y remettre le truc, le petit bâtard là. Alors, elle est où la dernière plante? Elle est là-bas. Let's go! La Wii U, j'ai dit quoi? J'ai dit la Wii? Ouais, la Wii U, hein, plutôt. Alors, qu'est-ce que tu vas me lâcher, ma belle? Qu'est-ce que je vais avoir? La Fison Suite. Non mais on est où? On est où? Allô? On est où? C'est quoi cette seed de malade? C'est n'importe quoi. Alors par contre j'ai aucun canon. Mais par contre il me donne tous les trucs. C'est fou. C'est fou. Elle m'a pas lâché les trucs pour la vie. Ouais, c'est là-bas à mon avis. Ok. Bon bah allez, on va aller voir en fait si les mines de Magmor sont dispo, même sans la varia. Missile, merci. Alors, y'a quoi là? Ah oui, c'est vrai qu'il y a eux, mais je peux pas les tuer encore justement parce que j'ai pas le wave beam. Alors, je sais pas comment ça marche ici le système de. Parce qu'en fait. Je vais vous montrer. Pour aller chercher un artefact ici, il faut avoir différentes choses. Mais j'ai tout en fait pour aller chercher normalement l'artefact. Qui là ne sera pas là, ce sera autre chose. Ah non, j'ai pas tout, il me faut le super missile. Il me faut le super missile. Allez, on va aller voir. Putain, j'ai plein de trucs à aller voir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller enregistrer déjà. En bas. Ah ouais, j'ai 10 000 trucs. Hein. J'ai bien tout mis là. Ouais, je crois que j'ai tout mis. Je crois que j'ai juste. Il y a que ça, il y a que une bombe en trop. Une super bombe que j'ai mis en trop, je crois. Alors, pour toi Twinset cette musique, j'y vais vraiment dans cette zone rien que pour toi. Eh ben écoute. Pas de soucis, je pense que je suis là encore bien une heure et demie, deux heures. Hein. Je vais pas finir le jeu, je pense pas aujourd'hui, mais pas de soucis. Merci en tout cas d'être passé, même si tu repasses pas. C'était super cool. Et puis je pense que. Écoute, je trouve ce stream pas trop mal. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si t'es encore là.
Donc il y a moyen que je le remette sur la chaîne. Je le trouve plutôt cool. Bon alors. Ah oui, je peux y aller. Ok, bon bah je peux y aller hein. Donc il y a bien un trigger qui dit bon, une fois que t'as ça, tu peux faire ça quoi. Hyper quali. Ah merci, c'est cool. Ça fait plaisir de... Merci. Bah écoute, peut-être à tout à l'heure. Sinon, bonne soirée. Cool, on a un artefact ici. Donc ça c'est bien. Quand il change pas d'endroit, c'est cool. Alors, c'est lequel donc? C'est le grand juste au-dessus. Écoute Darmanac, j'espère que t'apprécies aussi le... petit stream. Oh, j'en ai pris plein la gueule. Il y a un endroit, je sais qu'il y a des trucs qui sont cachés. Est-ce qu'il y a des trucs cachés ici? Je me souviens plus. On va aller voir. Ici, je suis pas sûr. Je crois que c'est vraiment juste pour passer sans se prendre la tête. Non, c'est là où on passe la première fois et après, une fois qu'on a le double saut, plutôt on peut passer par au-dessus sans se prendre la tête. Alors, là on va essayer de faire un truc. Le problème c'est que je me souviens pas. Sans le rayon X, ça va être quelque chose quand même. Hein. Mais on va essayer. Putain, le problème c'est que je sais pas du tout où est l'autre. Oh. Merde, je suis pas loin. Est-ce que je pourrais choper d'ici? Ah là là. Ouais, je vais recommencer. On va voir. Ok. Mais là c'est... Ah, ok, putain. C'est pas facile de savoir où s'arrête le truc invisible. En sachant que bien sûr il existe une visière hein, pour... Alors après le pro du stream, ça reste quand même Twinsen, hein. Moi je suis un gros feignant, hein, faut l'avouer. C'est-à-dire que je stream uniquement quand j'en ai envie. Hein. Et autant dire que c'est pas tous les joueurs que j'ai envie. Donc heureusement qu'il y a Twinsen qui est là. Merde, par contre, attendez. Mais bordel. J'ai réussi à me paumer. Bah ouais. Attendez, c'est là. Putain de merde. Après, hein, si on n'y arrive pas, on avance, on ira chercher le truc, enfin on ira chercher. On attendra d'avoir la... Allez. Ah, mais je sais qu'il y en a une autre en fait de plateforme. Mais le problème c'est que je sais pas où qu'elle est. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Pam, pam, pam. Parce que là, à chaque fois je vais un peu trop loin. Parce que c'est une énergie tank, j'en ai que deux, donc moi je dis jamais non à une autre énergie tank. Y'a pas moyen de savoir, attendez. Là si je tire. Ah, là ça s'arrête avant. Ok, attendez, vous savez quoi?
Voilà, là on sait donc qu'il y en a une ici. Hein. À côté, ok. Et il y en a une autre, ah, un peu sur la gauche j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Allez. Donc là, on a celle-là. Et après, il y en a une sur la gauche. Merde. Il faut peut-être un meilleur repère. Ça c'est là, alors attendez, est-ce que j'ai un repère visuel? Ça va être chaud, j'ai rien pour me repérer réellement. Ah mais attendez, par contre, là où je suis débile, je peux peut-être monter directement, non? Attendez. Non, je pense pas. Normalement c'est fait exprès pour pas que tu puisses monter directement dessus, mais... Ah non, je saute pas assez haut. Aïe. Allez, on va y arriver, hein. Faut croire en nous. Putain, mais elle est où cette dernière, la connasse? Je la vois pas. Enfin, je la vois pas. On la voit pas, c'est sûr. Ah, mais attendez. J'ai peut-être une idée. Au lieu de faire le débile là. La voilà. Voilà. Ah bah je suis content de l'avoir chopé quand même. On a mis du temps, mais on y est arrivé. Donc moi je dis bingo. Mais en fait, ça veut dire que je peux directement descendre dans les cavernes de Phazon. Mais non, mais c'est n'importe quoi ce randomizer. Mais on va pas descendre maintenant dans les cavernes de Phazon puisqu'il nous faut les canons que j'ai pas les. Les bims. Pam 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 pam. Une fois arrivé au cavern de Fendrana, je vais faire juste une petite pause vraiment de 5 minutes top chrono, grand max. Rafraîchir un peu. J'avais dit que tout à l'heure je le ferais plus tôt en plus et je l'ai pas fait. Avec l'arrivée de Twinsen. C'est pas de sa faute, mais vu qu'il est arrivé, je me suis dit, bon bah, autant continuer. C'est cool, on est sur une bonne lancée. Bon, la dernière fois que j'ai streamé, je crois que c'était du Metroid aussi, c'était en janvier. Je crois que j'ai pas restreamé depuis, donc tu vois, heureusement qu'il y a Twinsen pour faire... pour nourrir un peu la chaîne et le stream. En tout cas, malgré une jouabilité quand même assez un peu vieillissante, en fait je me rends compte qu'elle est pas si dégueulasse que ça. À part quand je fais le débile comme ça. Mais en fait, c'était quand même assez bien pensé. Hein. Tout le jeu est pensé pour avoir avec cette jouabilité un peu vieillissante. Quoi. Mais en fait, je suis plutôt surpris quand même. Là c'est moi. En fait, j'ai juste eu peur du truc, donc ce qu'on va faire, on va les défoncer de loin. Comme ça, il n'y aura pas de soucis. Voilà. Ah mais attends, ça veut dire que je peux aller aussi chercher là normalement où il y a le plasma beam. Aïe. Il y a en plein d'endroits, il y a plein de trucs à aller voir en fait. Hein. Thank you.
Ok. Ça va, ça se pète assez rapidement. Ah mais attendez, là, je peux casser aussi. Oïe, 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 mais attendez. Qu'est-ce qu'il va y avoir en dessous? Allez, j'aimerais bien un petit bim, là. Allez, un petit bim, s'il vous plaît. Un énergie tank. Bon, on prend ancien. Je suis pas... Je suis pas du tout contre. Hein. Non. Non. Négatif. Vous vous souvenez ce que j'ai dit sur la jouabilité il y a quelques minutes? Bah, je retire pas. Je retire juste que je suis une grosse merde. Ok, ok, ok. C'est quoi ce bruit? Vous l'entendez ce bruit aussi? Je sais pas si... Je sais pas du tout ce que c'est. Comme s'il y a un truc qui montait ou qui descendait. Je sais pas ce qu'il y a derrière en fait, ça doit sûrement... Je sais pas, c'est la première fois que j'entends ce bruit en fait. Faut dire que c'était bien la première fois que je fais le jeu entièrement au casque. Alors forcément... Allez, viens à toi. Bon, bon. Là, normalement, aussi, il y a un endroit où il y a censé y avoir un artefact. Donc, on va voir ce qu'il y a. Et ici, il y a un truc caché qu'on va aller chercher. Oh là là, mais attendez, ce serait pas le Ice Beam ça par hasard les enfants? Yes, 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 yes. Allez, donne-le-moi! Merci! Enfin! Aïe, 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 ça, ça fait plaisir par contre. Et il y a un artefact juste en dessous. Oh là 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 là. Ça se passe relativement bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais au plein de Fendrana ou je continue mon chemin? Parce que là, putain, ça ramène à plein d'endroits, mais là, ça y est. Ouais, on va aller au plein de Fendrana. On va faire le jeu presque comme si je le faisais normalement. Je dis bien presque. Merde, je me trompe de touche. Il est un peu moins rapide, mais il est plus puissant, je vous assure, sur les ennemis. Quand tu les gèles, ça tire la gueule derrière. Alors. Cool, merci, des super bombes. Ouais, dans tous les cas, on va aller à Fendrana, ce que j'ai envie d'enregistrer. Et de faire ma petite pause de 5 minutes, comme je le disais.
En fait, je voudrais bien le Wave Beam. Avec le Wave Beam en plus, ça serait le top. Je serais vraiment tranquille. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? En fait, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a au-dessus. Hein. Le problème, c'est que faut faire tout un système. Non, bah non, non. On va essayer au moins juste de savoir ce qu'il y a. Yip! Ah voilà pourquoi c'est la merde d'aller chercher ce truc. C'est parce qu'il y a là juste en dessous. Et c'est vrai que putain de Gunfei dans la version Wii ou la version remastered avec le saut supplémentaire, c'est royal quoi. Trop tôt. Alors là, j'ai carrément pas posé le troisième truc, hein, bravo. Mais non, mais non. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Au pire, on ira enregistrer. Je crois que je le pose trop tard ou je bouge peut-être. Ah, je pose trop tard, je pense. Ah, ça va être. Ouais. Ah, je pose trop en fait. Je pose trop, faut que je pose un peu avant. Mais au pire, on va pas se prendre la tête d'y ici, hein. On reviendra peut-être plus tard. Mais, faut quand même faire attention. Non, là, j'ai fait le débile. Parce que ça se trouve, c'est un truc hyper important. Pour avancer. Ouais, c'est ça. En fait, là, c'est pas là, comme ça. Ah, trop tôt encore, trop tard, je veux dire. Bon, on va les enregistrer. Dans tous les cas, je voudrais quand même bien savoir ce qu'il y a. C'est dommage, je voudrais bien savoir ce qu'il y a, mais on peut pas savoir malheureusement. À part en trichant, mais je sais pas comment faire, donc voilà. J'ai eu peur que sans le charge, parce que vraiment ça, on le défonce avec le charge beam. Mais en fait, les missiles ça marche aussi. Hein. Donc aucun souci. Les plaines de Fendrana, avec cette magnifique musique. Et ouais les bitches. Y'a quoi derrière? Ah, c'est là, y'a le Wave Beam. Donc pour Wave Beam, il faut le Plasma Beam avant. Ok. Y'a pas le choix, on va enregistrer. Et je reviens dans quelques minutes. Je voulais juste avec la petite musique de Fendrana. Et je... reviens.
Et de retour. De retour, de retour, de retour. Putain, mon viseur, j'ai eu peur. C'est la première fois que je vais avoir rentré son... Je regardais son... le son, on m'entend toujours bien. Le son, on m'entend toujours bien. Yes, parfait. Re, 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 re. Putain, elle avait rangé son canon, quoi. Elle m'a fait flipper, je croyais qu'il y avait un bug. Bon, enfin, j'avais enregistré il y a 2 secondes, hein, donc ça va pas être très grave. Je me suis what. Là-bas, aller là-bas. Donc on peut... Ouais, je peux aller là-bas. Ouais, on va aller voir ce qu'il y a là-bas au fond. Enfin, je sais ce qu'il y a. Mais ce que je... Ah non, mais non. C'est pas là que je vais aller. Parce qu'en fait, le problème de là-bas, c'est que pour sortir du boss après, il faut un wave beam que je sais où est qu'il est, puisqu'il est juste ici. Là, il y a différents petits trucs à ramasser. Le problème, c'est que il y en a certains, je crois que je peux pas ramasser sans le plasma beam. Il me semble. Quasiment sûr. On va quand même vérifier. Que là il y a des choses donc à récupérer, mais je crois qu'il me faut, ouais c'est comme l'autre, il me faut le plasma il me semble, extreme hit, donc j'ai pas, mais j'ai d'autres trucs à récupérer. J'espère juste que c'est pas à l'endroit où je pense le plasma beam, là où j'ai pas réussi tout à l'heure, parce que ça serait vraiment l'enfer pour aller le chercher. Attendez, j'ai le plasma beam. Oh yeah! Non mais attendez, là c'est un truc de fou cette seed. Elle... J'ai tellement de chance quoi. J'ai tellement de chance. C'est n'importe quoi, enfin c'est insane. Ça... Non mais là j'hallucine, j'hallucine vraiment. Ça y est, j'ai toutes les, je vais avoir tous les beams. Hop, hop. Ça c'est le beam classique, on l'a tout de suite. C'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi cette seed. Attendez, hein, je me plains. Là j'ai l'impression de me plaindre, mais c'est juste qu'en fait j'hallucine. J'hallucine comme le jeu est cool. Comme le jeu est sympa avec moi quoi. Là il manque plus qu'ensuite le... Comment s'appelle le... Voilà, hein, le wave beam hein, comme j'avais dit. Hein. Donc là j'ai tout. C'est ouf. Il manque plus donc que le charge beam, hein, puis bah, j'ai tout ce qu'il me faut. Enfin, le charge beam est même pas obligatoire, hein, c'est juste que bah, forcément les coups. On met plus de coups avec le wave beam. Avec le charge beam, on met plus de patates dans ses coups. Hein. C'est le talent, t'as juste pas l'habitude. Putain de merde, tu dois sûrement avoir raison. Hein. Mais non, il va falloir quand même que je m'habitue peut-être à l'heure quand même. Hein. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que je l'aime ce putain de jeu. J'ai mis 20 ans à l'aimer, mais alors... Je ne le quitte plus depuis. Et un énergie tank. Oh là 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 là, mais ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. J'en ai oublié un. On est bien. En fait là, en dehors des artefacts, j'ai tout ce qu'il faut pour finir le jeu en fait là. Ouais c'est ça. Attendez, on va juste les défoncer eux. Mais globalement j'ai tout ce qu'il faut pour finir le jeu. En dehors encore une fois des artefacts Shozo. Mais attendez, fais le voir. Parce que moi, le problème, c'est que le truc que vous voyez sur la gauche, je l'ai pas sur la même page. Ah non!
Non, j'ai pas tout ce qu'il faut puisqu'il me faut les deux visions, la vision thermique et la vision remix. Pour le boss de fin, c'est obligatoire. Mais globalement, là, il y a plus rien qui me résiste en fait. Là, il y a plus, ça y est, j'ai tout quoi. J'ai tout pour tout éclater. Là, c'est l'acide. Alors l'acide, en fait, c'est le randomizer. On appelle ça une seed en fait. Comment expliquer ça? C'est la racine quoi, c'est la graine. Après on prend toutes les racines après le reste et à chaque fois qu'on lance le randomizer, ça crée une nouvelle seed. Et donc chaque seed est différente. Après, ça peut prendre du temps de trouver tous les artefacts, hein, vraiment. Parce qu'elles peuvent être bien cachées, elles peuvent être contre le pirate Omega par exemple, hein, qui est un des derniers boss du jeu. C'est là-bas, faut que je descende tout en bas de la mine de Phazon. Même si j'ai tout ce qu'il faut pour descendre dans la mine de Phazon, hein. En fait, c'est n'importe quoi là, je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, c'est juste un missile, mais bon, écoutez, maintenant qu'on est là, on va le prendre, hein. Pam, pam, 55, 55, ça c'est bon, sur les missiles, le compte est bon sur les missiles. Mais qu'est-ce que je me casse les couilles à tirer dessus avec autre chose qu'avec le plasma beam? Qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais retourner en arrière en fait. Parce que là-bas, ça mène directement à la zone des pirates. Et avant, je vais faire autre chose. En fait, je vais faire une autre zone, comme ça je l'aurai faite et on sera tranquille. Surtout que je peux retourner là en deux secondes. Hop, si j'arrête d'être nul, au niveau des sauts, bien sûr. Allez, toi tu dégages. Toi tu dégages aussi. Allez! Non mais là je me suis pris comme une tanche! Oh là là, je suis arrivé! Alors là, par contre, ouais, ça, il me faut le super missile, j'ai pas le choix de toute façon ici. Ok. Oh! Tu crèves ou toi? Ah, écoutez-moi cette musique. Musique, ce décor avec le chozo là, c'est magnifique. Franchement, c'est sur GameCube, moi ça me tue vraiment, mais vraiment ça me tue ce jeu qui se sortit sur GameCube dans cet état quoi. Et que le premier jeu, la première tentative, en fait Nintendo par contre de ce que là ils sont, y a pas qui a pu faire Mario, Zelda et Metroid en 3D la première fois et réussir.
du premier coup, sans aucun souci. Y'a que, hein. Je vois pas, hein. Ok, c'est ça. C'est la super bombe, ça. Et là, maintenant, j'en ai 7. Ok, faites voir. Ça correspond. Ouais, ok, là, on est bon. Les mecs, ils font Mario 64. Bon, bah voilà, ça montre à tout le monde comment on fait un jeu 3D. Ok, Half-Time, on n'en parle pas. Et Metroid Prime, rien à dire non plus, hein. C'est deux putains de chefs-d'œuvre. Enfin, c'est trois putains de chefs-d'œuvre. Allez. Alors, faites voir. Tiens, je me pose une question. Est-ce que je peux tout éclater d'ici ou pas? Pas du tout, hein. Ok, donc le jeu prend pas en compte le sparring, le power bomb. Nine, j'ai bien failli faire n'importe quoi. Alors, hop. Tac. Allez, c'est parti pour le boss. Enfin, boss. Mini-boss. Et c'est pourquoi? Oh, des putains de missiles. Bon, bah, écoutez, maintenant que je suis là. Autant le faire. Eh oui, ça vous calme, hein, les... Ok. Bon, il y en a un manque qui va débarquer. Je me demande par... Alors là, on va tester là aussi le super missile. Oh, le super missile, la super bombe. Voir si ça l'éclate en un coup ou pas, quoi. Presque un coup, on va dire. Bonjour madame. Au revoir madame. Donc ça l'éclate bien en un coup. Enfin, ça la touche deux fois, mais on n'en parle plus, quoi. Et donc vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Vous voyez, en fait, tout à l'heure, j'ai failli aller là en premier, mais sans wave beam. Et là, j'ai arrêté bien baisé, puisque pour sortir, il faut la wave beam. Ok, donc là, ici, c'est fait. Ici, ce qui est bien, on pouvait en récupérer tout ce qu'on pouvait ici, donc on retournera jamais là. Ça, c'est cool. Ici, ce n'est pas une obligation de retourner ici. C'est juste que, si je me souviens bien, ouais, y a un energy tank ici, donc c'est quand même cool, comme toujours, energy tank, on prend. Ça mange pas de pain, c'est gratuit même. Est-ce qu'on va aller vers les pirates de l'espace? Eh bien écoutez, mon cher ami, tout à fait. Alors, tac. Alors ça, c'est un truc de chien. Ce que je veux savoir, c'est qu'on essaye de faire le jeu à 100%. En fait, les scans 100% plutôt. Parce que le jeu 100%, c'est assez facile à faire, en fait. Alors, mais le scan 100%, c'est une vraie galère. Et ce que je veux savoir, c'est que par exemple, ça là, ça se scanne. Stalactites. Et si jamais t'as déjà fait tomber toutes les stalactites du jeu, et ben, c'est foutu pour le 100%. Faut refaire une partie.
Autant dire quand j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Oh, je l'ai mal pris, hein. J'ai mal dormi. Hein. Par contre, faut que j'arrête d'appuyer sur le mauvais bouton pour tirer. Ça peut être pas mal. Pareil, ces trucs là. Bon, pas ça, mais les monstres qui étaient là-bas. Si jamais. Mais c'est déjà un gros. Hein. Si jamais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on y va trop tard, c'est fini, c'est pareil. On peut plus les scanner. Oh, c'est laquelle de vision? C'est la vision thermique. Cool, 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 cool. Bon, bah écoutez, hein. On est bien là. Il n'y a même pas besoin de se faire chier à activer toutes ces merdes là. Vu qu'on a le la Morph Ball. Hop, 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 qu'est-ce qu'il y a? Tac, tac, on se déplace ici. Toutouridou. Tac, on se déplace là. Là, on va pouvoir enregistrer, pas de suite, je vais juste aller. Qui c'est qui me tire dessus? Oh, ces merdes là, j'y crois pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une réserve de missiles, ok. 60 missiles, là. On commence à être pas mal. Et bah allez, let's go. Direction, on l'enregistre et la base des pirates. Parce que pareil, dans la base des pirates, il y a 3 ou 4 objets, je crois qu'il y en a 3 à récupérer, 4, oui 4, ouais, 4 objets à récupérer. Donc bah let's go hein. C'est énorme, 4 objets. Yes, oh. Ah con. Attendez, je reviens dans 2 secondes, je reviens tout de suite hein. C'est juste que j'ai ouvert la fenêtre, j'espère qu'entre temps vous entendez pas le bruit de l'eau qui coule. N'hésitez pas à me le dire d'Armagnac. Mais j'avais la lumière ouverte. Bad idea, les enfants. Pour attirer les moustiques. Oh non mais là les mecs savent pas ce qu'ils ont fait là, à me donner ça tout de suite. Je vais tout dégommer. Ah oui c'est vrai qu'il y a eu avant. Ça va se fermer derrière moi. Ok. T'es quoi c'est? Des fois il y a des bruits, je sais pas ce que c'est. Et je reconnais pas. Allez, le petit charge beam là, ça serait cool. Parce que ça manque là, ça manque. C'est là-dessus dont on passe tout notre jeu avec les canons chargés à fond. Hein. Ou le super missile, ça peut être cool aussi, super missile, parce qu'il y a un objet que je dois récupérer. Et il faut le super missile pour récupérer.
Bah, il est où? Là. La musique des enfers, mais... Alors, sans dire que je l'apprécie, j'ai réussi une sorte de cohabitation saine avec cette musique. Je vais tenter un truc. Ah mais non, mais je suis con, j'ai pas du tout le charge, ça a rien. Il faut... Ouais, ouais, je peux pas. En fait, tant que j'ai pas le charge, je peux même pas utiliser les autres... les autres charges des autres armes. Parce qu'en fait, le charge beam, en fait, de base, ça sert surtout pour celui-ci, pour cette arme de base, le canon de base. Et après, chaque arme a un spécial aussi. Mais là, vu que j'ai pas du tout même le charge beam de base, je peux pas utiliser le reste dans tous les cas. Pas quoi pareil, pas quoi je me fais chier. Alors. Ok. Let's go! Ah bah là, avec le plasma beam, de toute façon, ça va tout seul, hein. Là, c'est l'arme la plus puissante du jeu, au niveau du canon de base. Donc on récupère ça normalement tout à la fin, juste avant de battre l'avant-dernier boss du jeu. Donc autant dire que là, je suis paré pour tout éclater. Hop, let's go, la petite phase pour activer les plateformes. Pam pam, allez, on active ça et on sera bon. Allez, merci. Hop, là on a le... C'est quoi, c'est un système solaire, mais c'est quoi, c'est un planétarium, c'est ça qu'on appelle ça comme ça? Putain, c'est que des missiles. Normalement c'est ici qu'il y a le super missile, mais là c'est un vieux missile dégueulasse. Écoutez, on peut pas tout avoir. Là, le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Je suis déjà très content de ce que j'ai. En 2 heures de jeu. Alors, et là, petite trivia quand même, puisque donc là, ça peut être Zebes, donc où se passe Metroid et Super Metroid, qui est donc dans le même système que. C'est... Non, je ne sais pas que ce soit Talon ça. Non, c'est pas Talon. Ah, si, c'est Talon 4. Voilà. Donc Talon 4, qui est la planète de ce Metroid. Comme quoi, le monde est petit. On se retrouve tous dans ce système solaire. Il manquerait plus qu'il y ait la planète des Metroid, SR388. Je crois que c'est pas ici par contre cette fois-ci. On peut enregistrer là-bas, mais... voilà. Vous savez quoi, on va le faire, parce que je sais pas trop après où je vais aller. Une fois arrivé à la fin du de la base des pirates, parce que normalement... On est censé faire demi-tour, puisqu'on a une porte avec le canon de glace qui nous empêche de passer, mais le canon de glace, maintenant je l'ai. Donc on va continuer notre chemin. Je pense qu'on va faire toutes les cavernes. En plus, j'ai, comme vous pouvez le voir, ben, la combinaison hein, qui permet d'aller sous l'eau, et même dans les mines de phason. Donc je pense qu'on
on va faire tout ce qu'il y a à faire ici là. Et puis après on verra. Allez crève. Oh aïe 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 aïe, quel plaisir d'avoir le plasma à cet endroit là quoi. C'est... Alors autant le randomizer, je pense que ça peut être très frustrant, mais alors là j'ai eu une chance de fou hein, de tomber quand même Après ça veut pas dire que je vais finir rapidement. Comme je dis, faut tous les artefacts et ça peut être rentré dans... Ça peut être au pire endroit. Mais de base, je suis quand même chanceux. Là, je me demande si ça n'a pas changé par rapport à la version remastered. En fait, normalement, ici, il est censé avoir un artefact coincé dans cette tour-là. Et bien, normalement, on est censé en fait, utiliser le plasma beam, là, ce que j'ai donc en main, et tirer à travers une vitre pour la faire fondre et toucher la... Toucher, vous voyez, ce truc-là, orange. Mais là, je me demande si... Je me demande si je peux pas le faire d'ici. Je crois que si, mais je me demande si c'était sur celui-ci. Je me demande si l'endroit a pas changé. Je me demande si je crois que c'est pas la bonne caisse. Je crois que c'est sur d'autres caisses, malheureusement. Ouais, écoutez, on va pas se prendre la tête. J'ai le plasma beam, donc on va faire comme le jeu souhaite que je fasse habituellement. Ça veut dire par là. Hop, on tire là-dedans. Normalement il est censé avoir une vitre mais on la voyait pas. Parce que je l'ai détruite sans faire exprès tout à l'heure en tirant dessus. Vous voyez au début quand je suis rentré j'ai tiré sur une caisse donc c'était de ça qui a fait fondre la vitre tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il y a à la place de l'artefact? Oh ils sont sérieux, un missile dégueulasse. Alors, missiles. Il y en a quand même 50 des réserves de missiles au total dans le jeu en fait. Est-ce que je vais réussir à cliquer dessus? Oui. 13, 55. Ouais. Ah, là vous avez dû entendre malheureusement les pompiers. Tac. Allez, let's go, c'est parti! Ah, dommage, ce charge bim, je le veux, donnez-le moi, s'il vous plaît. Et vous allez voir qu'il va être au tout début du jeu, je l'ai loupé, un truc de merde. Bonjour petit Metroid. Excusez-moi, je suis trompé de touche. Encore une fois. Parce que pour ceux qui se demandent pourquoi je me trompe de touche, simplement c'est que la touche dans le remaster pour tirer, c'est la touche de la carte sur la version GameCube. Donc voilà. Tout simplement. Il y a quoi au bout? Oh, un artefact! Oh là 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 là, ça faut pas louper ça. Ça c'est gourmand. Et il y a un truc de vie. Il est où le dernier?
Oh, je crois que mon jeu est bugué. J'ai dit, ah bah là, j'ai bien fait d'enregistrer. J'ai flippé. Désolé, hein, toujours le missile. Hop, où je me foire. Oh non, j'ai libéré un... Oh non, le con, j'ai libéré un... Un Metroid sans faire exprès. Mais j'y crois pas. Ah, ça a tué quand même. Je veux dire, putain, il était pas assez proche, le con. Alors, énergie tank supplémentaire. Je suis bon pour remonter. Aïe 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 aïe, le talent a disparu à 22h53. Il est recherché par sa maman. Je sais qu'il y a une technique un peu d'enculé. On va essayer de la faire, tiens. Juste une fois, hein. Vraiment juste une fois. Ah bah j'ai pas réussi, hein. Voilà. Mais normalement, si on est assez bon, si on connaît le truc, on peut arriver devant. On a plus qu'à se transformer et ciao bye quoi. Mais je ne sais pas le faire. Allez, on y croit. Le joueur français qui s'élance. Voilà. Allez. Scheiße. L'ascenseur, il est là. Ah putain, là j'ai pas le choix, hein, faut que je réussisse. Normalement c'est même pas si dur, hein. Mais alors, putain, c'est toujours la même chose. Vous savez ce qui est terrible quand on joue en stream? C'est que souvent c'est des trucs qu'on réussit toujours du premier coup, hein, quand on stream pas. Où on est en grosse galère, hein, en stream. Et après les gens vont dire, non mais... Mytho! Mytho Igloo! Je suis sûr que tu passes au moins une demi-heure à chaque fois, alors non, non. Je tombe encore une fois, c'est un grand miracle, mais alors après... J'ai pas envie d'utiliser l'excuse de la manette, hein, mais un peu peut-être quand même, non? J'en sais rien, non, non, je déconne bien sûr. Alors, l'artefact newborn. C'est celui qui est juste en bas à gauche. Pas les artefacts, c'est pas mal, ça commence à bien rentrer là. En fait, globalement, il nous faut des artefacts et la vision à rayon X, et on a tout. Hey, cassez-vous les clodos là! Aïe 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 aïe. Allez, ouvre-toi. Oh, c'est un vieux missile. Je sais même pas, j'ai envie de me faire. Si, si, on va le faire, mais j'ai même pas envie de me faire chier. C'est pour vous, messieurs dames, que je le fais. C'est pour le stream, pour ma communauté. 2-3 personnes. Je vais peut-être le scanner d'ici ou pas? Ah, les petits salauds, va. Considère que c'est trop loin. Et donc, là, normalement, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que j'aurai pris ça, tout va être dans le noir, et normalement on est censé repartir en arrière au tout début de la zone, mais là, vu que j'ai le beam d'ice, enfin de glace, le ice beam, on s'en fout. Et heureusement parce qu'en fait je me rends compte que j'aurais pas pu ressortir en fait, puisqu'il faut... Ah si j'aurais pu, hein. Si j'aurais pu, je dis n'importe quoi.
Attendez, je réfléchis juste à ce que je vais faire. Là, c'est pour remonter. On passera par là pour rentrer. Oui, oui. Ok, let's go. Je sais ce que je veux faire. Du coup, fait. Je vais pas y arriver hein, avec le missile hein. Alors ça je fais vraiment juste ça pour voir ce qu'il y a sous l'eau en fait hein. Puisque d'ici il y a voilà ça. Et on peut le faire que d'ici, donc faut le grappin pour monter sur la bête, pour faire tomber la stalactite. Ou normalement, dans le jeu de base, il y a juste un missile, mais là, il y a un artefact. Donc là, j'avais pas d'autre moyen que d'aller chercher, de toute façon. Allô, le jeu, laissez-moi descendre, s'il vous plaît. Non? Non, pas envie? Bah oui, normal. Forcément, je peux pas descendre si je suis pas dans le trou, hein. T'as mis où l'artefact? Je me suis auto-paumé. Il est là. L'artefact du soleil. Où es-tu mon petit? C'est celui qui est juste à droite. Bah écoutez, ça avance aussi hein. Hop. Alors les autres stacks. Tiens, stalactite. Pas très loin. Voilà un. Et l'autre doit être au-dessus de moi, je crois. Décaler un peu. Je peux peut-être même pas aller le d'ici, ça se trouve, je peux même pas le toucher. C'est pas grave, puisqu'en fait, en réalité, si je me trompe pas, je crois que la suite est par là. L'autre, c'est juste un point d'enregistrement. Yes, c'est ça. Ah, par contre, comme j'ai pas le... Aïe, 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 je sais pas ça a marché. J'ai bien peur que sans le rayon X, le jeu ne m'autorise pas à ouvrir une porte qui est en haut. Parce que normalement, il faut le rayon X pour savoir qu'il y a un truc caché. Mais là, comme je vais y aller sans, j'ai bien peur d'être un peu couillonné. On va voir. Hein. C'est là. C'est plus haut. Alors plus haut, je sais qu'il y a un truc dans tous les cas. On va aller voir. Tout de suite, c'est juste de savoir où c'est le truc qui est caché. Ah, mais si, je me disais qu'on fait pour monter plus haut. Bah, on attend notre ami. Je crois que c'est là qu'il y a un truc. Ah! C'est peut-être pas là. Là-bas, il y a un truc, hein, c'est sûr. Mais là, je crois que malheureusement, le jeu ne me l'autorise pas. Puisque je n'ai pas le rayon X. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est terrible. Parce que ça veut dire qu'on sera obligé d'y retourner ici plus tard. Non! Alors là, le con, voilà. Ça, c'est le problème du mec qui croit qu'il est sur le remaster où il peut lever la...
la tête comme il le veut, où il veut. Voilà. Il n'y a plus qu'à recommencer, on est bien là. Fais-moi venir, fais-moi aller ici déjà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, une réserve de missiles. Ça va commencer à devenir agaçant, ça, de missiles. Ok, 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 ok. Parce que est-ce que c'est vraiment là-bas qu'il y a un truc? Ça se trouve c'est juste en dessous là. Ah putain, je suis quasiment sûr que c'est en face quand même. Hein. On va juste tester à deux endroits différents, on va tester. Franchement, j'ai un doute que ce soit là-bas, mais testons, hein, ça vaut. Et si! Aïe 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 aïe! C'est cool! Et c'est quoi? Oh, c'est le. Ah bah non, c'est le flamethrower, c'est le lance-flamme. Un truc dont on s'en branle, mais alors vraiment les couilles, qu'on n'utilisera jamais. Mais bon, que voulez-vous? Au moins, on l'a fait. On sait qu'ici, il n'y a plus rien à récupérer. On peut donc redescendre tranquillement. Alors. Y a personne ici là pour m'accueillir. Ok. Presque déçu. Hein. Il y a rien à récupérer, c'est dans l'eau. Je crois qu'il y aura, je crois que non. Mais on va aller faire un tour dans l'eau vite fait. Quasiment sûr qu'il n'y a rien. Mais vaut mieux vérifier plutôt que de revenir ici dans 3 heures en disant je crois que comme un connard j'ai pas vérifié ce qu'il y avait dans l'eau. Alors par contre, Igloo, si tu pouvais faire un minimum d'effort sur les sauts pour nos téléspectateurs ici présents. Merci. Alors, parce que là, normalement, on va à l'endroit où il est censé y avoir la. Le costume de gravité. L'armure de gravité, mais on l'a déjà. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un artefact je ne sais point. On va le découvrir ça ensemble. Là, on s'en fout. On fonce un peu. Non. Un vieux missile dégueulasse. Aïe 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 les missiles, alors là c'est vraiment une zone où je pensais trouver des trucs un peu plus intéressants que des missiles. Mais j'ai vraiment eu que ça depuis tout à l'heure, hein. Putain. Dans genre dégueulasserie ça se pose là. Je ferai le truc après.
Putain, vous vous foutez de ma gueule, mais à chaque fois je me paume ici. Hein. Je sais pas par où on ressort. Hein. Voilà. Oh, il commence à me gaver lui! C'est par là, simplement. Non, c'est pas par là. Le chemin est peut-être par là, par contre, oui. Merci. Eh ben, ça fait peur, des fois. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a à aller chercher? Pfff, des missiles, mais non, mais j'y crois pas, quoi. Alors, missiles. Chance d'en avoir 95... 95? Ah oui, c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup que j'ai loupé de marquer là. Yes. Non, ça par contre j'ai pas loupé. Et j'en ai 6, c'est ça? 3 et 3, ouais, c'est bon. Ah ouais, nos amis. Vous savez bien qu'il y a des mecs qui allaient me faire chier au bout d'un moment. Non! Bon. En soi, c'est pas grave d'être tombé. En soi, c'est pas grave d'être tombé. Enfin, je dis ça, je me demande si c'est pas chiant. Faut refaire le tour. Et pour tout vous dire, c'est la première fois que ça m'arrive en fait de tomber ici. Ça m'était encore jamais arrivé. Donc en effet, c'est pas impossible que je dois refaire ce tour en fait. Ah non, c'est bon. Au pire, c'est pas grave. On n'est pas censé repartir par là. En fait, il y a un autre chemin. Oui. Oui, non. Oui, non. Non, non, c'est bon. Oui, je sais plus. Non, non, c'est le bon chemin, en fait. Oh, j'en sais rien. Non, on ressort pas par là, normalement. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas trop. De toute façon, dans l'autre salle, il n'y a rien. Donc, en soi, c'est pas forcément très grave. Il y a des ennemis et c'est tout quoi. Allez, oh, pas déconner les gars. Oh, attendez, juste une seconde. J'ai mis un petit coup sans faire exprès dans la prise HDMI. Voilà. Je voyais plus rien. En fait, normalement, quand on est censé revenir par là, en fait, voilà. Mais en soi, c'est pas très grave. Pas bon endroit. Ah, c'est là où on voit que la fatigue commence à se faire sentir. Je me disais putain mais je reconnais pas. C'est bizarre sur le remaster, ça ressemble pas vraiment à ça.
me disais, putain, pourquoi il y a un mec aussi comme ça et tout, franchement, je me disais, je... Eh, mais je deviens fou, je reconnais pas du tout, quoi. Simplement parce que j'étais pas dans la bonne salle. Allez, cassez-vous, s'il vous plaît. Non, ça va pas s'ouvrir avec ça. Mais avec ça, oui. Là, les mecs sont là. Voilà. Là, dans la bonne salle. Ok, là, ça y est. Là, ça me parle. Je retrouve mes marques. En fait, je pensais être dans l'autre salle dans... tout à l'heure, donc ça, je comprenais plus rien, j'étais paumé. Alors que l'autre salle, je la connais par cœur aussi. Mais comme je pensais pas être dans celle-ci, forcément, j'avais tous mes repères. Je me suis... Il y a un truc de bizarre, quand même. Un autre artefact ici. Alors, l'artefact de la nature, où est qu'il se trouve? Oh oh. En haut à gauche. Hop, je demande juste une seconde, j'affiche quelque chose. Ok, ça c'est toujours bon. Ok. Hop, désolé, j'espère que ça va pas trop bugger. Je... Ok. Ok, nickel, au top. Chou. Ah oui, c'est bon. Là, on va pouvoir enregistrer, en plus. Oui, on peut enregistrer juste en bas. Et après, il y a un combat. On va aller faire un combat de boss. On est censé rentrer par l'autre côté, mais je suppose qu'on rentre par là ou par l'autre côté. Ça n'a pas changé grand chose. On va aller voir. Je vais enregistrer avant pour être sûr que ça bloque pas le jeu. Mais je pense pas que le jeu soit construit comme ça. Je pense qu'il est construit de façon à ce qu'on puisse aller dans n'importe quel ordre. Hop, alors l'enregistrement, bah c'est là. Yes. Et puis on va tranquillement se diriger vers la fin, il est déjà 23h16, ça fait un bon petit stream, là 2h35. Allez, on va aller jusqu'à 3h. 3h de stream, ça fera déjà un beau stream de 3h. Et il y en a qui vont gueuler sur la rediffusion. Ouais, stream de 3h, personne regarde ça. Et comme ça. Bien sûr, on finira ça un peu plus tard, hein. Demain j'espère, normalement ça devrait être bon, je crois que j'ai rien de prévu. Après des fois les aléas de la vie, mais normalement ça devrait être largement bon. Ah, le boss est là, donc normalement ça on devrait le réveiller. Est-ce que je peux, balèque? Ah, on peut clairement s'en balèque et aller chercher le truc qui nous intéresse. Après battre le boss ça donne quand même quelque chose, donc on va le battre, hein. on va aller le battre. Juste là, qu'est-ce qu'il y a? Un missile à la con. Je crois que le boss s'est réveillé, hein. Il y a tout qui tremble là. Allez. Ah, j'allais dire, putain, non, le boss il se réveille pas parce que je suis pas au bon endroit, mais c'est bon si. J'ai activé le trigger. Et j'ai le. Oui, j'ai la vision thermique. Ah ouais, putain, j'ai oublié que celui il faut la vision thermique, sinon c'est mort. Donc c'est cool, je vais pouvoir le faire.
Ah merde, il craint pas du tout. Ah si. Je vais dire, s'il craint pas, c'est ça va être compliqué quand même. Hein. Ah merde, moi j'ai oublié qu'il faisait ça, ce con qui roulait après. Faut que j'arrête de me prendre le truc de glace. Hein. Il a fait beaucoup le truc de glace. Hein. Comparé... Alors là, ouais, ça c'est un pattern qui a l'impression qu'il a changé. Parce que alors moi, s'il me le fait deux fois d'affilée, s'il le fait deux fois dans tout le combat. Get out of the way, sir. Allô? Supervise, merci. Ah oui, là, il s'énerve un peu, là. C'est pas là où on voit plus rien, normalement. Ah bah non, ça va être un peu après. Avec les super missiles ça va encore plus vite, mais comme je peux pas l'utiliser, la réponse est vite répondue. Je suis un connard. Moi je m'y ferai jamais hein, je crois. Je m'y ferai jamais de me mettre en boule morphing pour éviter ce gros sac. Bien sûr, c'est pas là, bien sûr, il va pas se mettre en pierre. Il va pas rouler, je veux dire. Bah si, mes 10 plombes après quoi. Merci. On le finit là! Voilà! Alors, qu'est-ce qu'il va nous lâcher? Un artefact. Oh, je suis sûr qu'il va nous lâcher un vieux missile dégueulasse. Qu'on a perdu donc 5 minutes à faire ce combat de merde. Allez,
On prend les paris? Eh ben voilà. Un vieux missile dégueulasse. Bon, au moins c'est fait dans tous les cas. C'est par là où on arrive, et là, on va ressortir par où on est arrivé. Ah merde. Pareil, c'est pas le même bouton pour s'accrocher avec la Spider Ball. On va faire un peu les cavernes de Magmoor encore un peu là. Et puis après on va pas tarder à arrêter hein. On va faire quelques trucs à récupérer. Hop, on va juste enregistrer au cas où le jeu bug. J'ai pas envie du tout, ben vous vous doutez bien de recommencer le boss. Les boss, vraiment, au début je les détestais. Maintenant que je les maîtrise, c'est un peu comme la musique des pirates de l'espace. C'est pas qu'on s'apprécie, mais voilà. On doit vivre ensemble, alors on le fait. On se tolère, comme on dit. Alors, est-ce qu'il y a pas mal de petits trucs qu'on peut faire à partir d'ici? Ouais, on va faire plein de petits trucs. On va pas aller dans les mines de Phazon, on n'est pas fou non plus. Ce que je pourrais d'ici, hein, tout simplement. Mais non, la réponse est non. Alors ici on va voir si il y a des trucs à récupérer là, donc on va le faire tout de suite. Est-ce qu'il me reste une power bomb aussi hein, pour après? Il me faut au moins une power bomb pour un truc, allez vérifier. Ah, il m'en reste deux, hein! Il m'en reste pas tant que ça quand même, hein! Allez, on fonce! C'est pas de se faire choper par ces deux là. Non, c'est bon. Là, normalement, il est censé y avoir un energy tank. On va voir ce qu'il va nous avoir mis cette fois-ci. Non, 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 je suis bon pour tout recommencer. Non? Non, oh là là, j'ai eu de la chance. C'est la première fois que je me fais choper. La varia suit, mais j'y crois pas. Plutôt qu'on s'en fout, ça ne sert strictement à rien la varia ici. Bon, au moins la récupérer, hein. Y'a pas le choix. Faut vérifier. Où est-ce que je suis? Ah, mais moi j'ai pas réussi à rentrer dans le trou. Hein. Toujours un petit souci. Hein. Ah, nickel messieurs, je voulais sortir justement. Putain, vous savez que des fois je suis perdu parce que j'ai tellement l'habitude de la version remaster depuis 3 mois, je joue quasiment qu'à ça. Que des fois le moins de petits trucs qui changent, je suis paumé. Enfin, il n'y a pas grand chose qui change, hein, mais ne serait-ce une lumière un peu différente, une pierre différente, ce qui est normal. Hein. Mais je reconnais pas des fois certains trucs. Allez, on est parti.
Désolé. Non! Mais non! Mais quel connard je fais! Aïe 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 aïe, ça va être chiant pour remonter! Putain de merde! Désolé, hein. Vous gueulez dans les oreilles comme ça, mais là, ça va, j'ai fait le con. Pour rien en plus. Enfin, c'est pas que j'ai fait le con. C'est juste que je me suis planté dans la jouabilité. Ok, c'est bon. Parce qu'en fait, j'ai balancé une bombe au lieu d'accélérer, et quand on balance une bombe, ça nous fait sortir en fait du trou. Et après, j'ai accéléré. Sauf que j'étais sorti du trou, donc forcément, je suis tombé. C'est QFD. Hey, salut Twinsen! Eh ben écoute, ça tombe bien que t'arrives. Oh, je vais pas encore rester très très longtemps, mais encore aller un quart d'heure 20 minutes, je pense, un peu plus peut-être, grand max. On va voir, parce que là je vais arriver à 3h stream quand même. Comme je disais, je commence un peu à fatiguer aussi moi-même. Mais c'est n'importe quoi, hein. Là j'ai. En fait, une fois que t'es parti, je suis allé à Fendrana. Et à Fendrana, j'ai tout récupéré. Le Wave Beam, le Ice Beam, le Plasma Beam, tout était là-bas. Le seul truc qui manque maintenant, c'est le Charge Beam et de pouvoir tirer des super missiles. Et bien sûr les artefacts, hein. Et la Vision X aussi. Enfin, bon là, voilà, ça en rajoute à chaque fois un peu plus, mais je vous assure que c'est pas énorme en fait. Et les artefacts, en plus j'ai bien avancé comme tu peux voir à gauche. Alors là, ça va être quelque chose, puisqu'il faut savoir c'est que la jouabilité est pas tout à fait pareille dans le remaster que ici. Aïe 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 aïe, je me fais peur. J'ai peur de me tromper de bouton pour me rattraper. Voilà, on avance tranquille, y a rien qui presse. Je parle pas trop, hein, je me focus pour éviter qu'on ait à recommencer cette scène magnifique. Mais y a pas de. Y a des bêtes normalement ici. Pourtant, je suis en normal sur GameCube. Ah, après, je joue à la 1.001. Est-ce que. Ah oui! Ah oui, en fait, l'européenne est plus dure en fait que la version US, je me rends compte. Puisque quand on fait le randomizer, j'ai dû prendre la version US. Le randomizer n'existe que en version US. Et en fait, en Europe, y en a des bêtes en plus ici qui viennent nous faire chier. Et oui, elles sont pas du tout là, là c'est vraiment juste de la plateforme. Oh, d'accord. Hein? What the fuck? Alors là je suis choqué pareil. Ouais, je le connais vraiment bien. Ouais, bah je savais pas non plus, je viens de découvrir. Et là, pareil, normalement, je sais pas si tu te souviens. Ici, il faut des super bombes. Parce que normalement, t'as des gravats qui sont devant. Et là, pareil, y a pas du tout. Ça a été rajouté dans la version européenne. Un nouvel. Ouais, y a des rochers, exactement. Qu'est-ce que je fais? Parce que là je suis pas sûr qu'il y ait... Je crois qu'il y a rien à ramasser en fait par là. En fait j'aurais pu directement aller aux mines de Phazon.
mais... Je vais faire avant... Ouais, je vais retourner aux ruines Chozo, tranquillou. Là où on était tout à l'heure et que je pouvais pas avancer parce que j'avais pas le wave beam justement. Ah, ça a changé ça aussi. Alors, est-ce que c'est par rapport à la remaster ou pas? J'en sais rien. Le problème, c'est que je sais pas des fois si c'est lié au remaster ou si c'est lié à entre la version US ou la version européenne. Hein. Ah, je vais essayer d'aller choper le. Un truc qui est tout en haut, mais j'ai besoin vraiment du rayon X. Mais on va essayer de se débrouiller comme tout à l'heure avec des tirs dans les plateformes invisibles pour voir où elles sont situées. Pas sûr de réussir. Bah ouais, parce qu'en fait là, je crois que j'ai pris la version 1. En fait, il demandait de prendre la version soit US 1.00 ou la version 1.2. Je sais que sur la version US, c'est la première version du jeu qui est sortie hein, en novembre 2022. 2002, je vais dire. Et après, ça arrivait, et après, la version NT, PAL est arrivée en 2003. Et je sais que la version 1.00 a pas mal de bugs. Bon, moi que nous on connaît pas spécialement, hein, mais que les speedrunners utilisent. Qui ont été changés. Et je pense que la version PAL est donc plus dure, hein, dans tous les cas. Que la première version, en tout cas, NTSC. De sauter pour éviter de me prendre ce petit con là. Alors, donc, je me dis qu'on va essayer, hein, parce que vu qu'il faut remonter à chaque fois, si je me loupe, on va essayer une fois pour tout me dire. Donc là, il y a la plateforme. Le problème, c'est que j'ai pas envie de sauter trop. Ok. Je sais qu'il y en a une autre. Maintenant, faut trouver où est-ce qu'elle est. Ah, attendez. Ah oui, en plus il y a un truc qui est derrière aussi là. C'est quoi derrière en plus? Ah, la plateforme. Je crois qu'il y en a une juste ici là, non? Non, c'est le mur. Mais je sais qu'il y en a une de plateforme. Hein. Des fois j'arrive pas à savoir. Là je tire bien sur un truc qui me paraît être... Ouais, ça, il y en a deux ou trois de plateformes alors. Là, c'est une plateforme ça, non? Bah ouais. Eh bien, un truc derrière là, non? Allez chercher. C'est pas là? C'est plus haut? C'est plus bas? C'est plus haut. C'est là, je crois. Je pense que je vais jamais y arriver à mon avis là. Celle-là se voit bien, parce qu'il y a la pluie qui tombe dessus. Je suppose que d'autres c'est pareil, mais je vois rien. Parce que là-bas ça je l'atteins pas, ça c'est sûr. Ah! C'est pas une plateforme ça quand même? Je crois pas que ça touche le mur en fait, hein. Si, si ça touche le mur. C'est plus haut. Ah, ça peut-être pas tort. Hein. T'as peut-être pas tort du tout, mon gars. Ah non, mais plus haut, tu parlais du truc. Ah ouais, derrière, ouais, qui est caché, ouais, t'as raison. Désolé, hein, des fois je lis un peu en. Non, mais je crois qu'on se prend la tête quand même là. Là, on se prend la tête pour pas grand chose.
je reviendrai avec la vision X et puis voilà. J'aurai juste un truc. Non mais j'y arriverai pas. Ah ok, bah je savais pas. Bah tu m'apprends un truc en effet, je... C'est vrai que ce remaster, j'avais jamais fait attention qu'on voyait que sur la première. Donc Twinsen m'informe en fait qu'on voit uniquement donc les gouttes d'eau en fait tomber sur la plateforme que sur la première en fait. Et c'était donc le cas sur la version originale, mais aussi dans le remastered. Donc bah voilà, je me coucherai moins bête. Bon allez, c'est pas grave. Allez, let's go, on remonte tout, mais on va pas faire ça, on va faire autre chose. Il me faut le vision X, je sais plus où est-ce qu'il est. C'est marrant de tirer un peu n'importe où, mais bon, au bout d'un moment. Là, on va aller faire tout à l'heure ce que j'ai pas réussi à faire dans les mines Chozo. Attends, j'ai même pas mal de petits trucs à faire en fait là maintenant que. J'aurais peut-être dû passer au vaisseau, ne serait-ce que pour récupérer tout, tous mes super bombes, mais c'est pas très grave. Au pire, on ira farmer sur les quelques clodos qui traînent. Sur Talon. Ah mais oui, alors attendez. Parce que maintenant qu'on... Maintenant qu'on est là, on va aller chercher des trucs là, un peu partout là. J'ai 99 missiles, ça devrait le faire en plus. Ah, j'ai pas mal de trucs en fait à voir ici. Chez les choses, en plus c'est bien de le faire avant de rencontrer pour la première fois les... Merde, je vais y arriver. les fantômes choses qui sont vraiment ultra chiants, faut le dire. Mais bon. Ça pourra jamais être aussi chiant que les élites de. Des pertes de l'espace dans le 2, puisqu'ils ferment carrément la porte, tu peux plus passer tant que tu les as pas battus. Et comme ils sont quasiment imbattables en fait, faut attendre 1 minute, 30, 2 minutes pour qu'ils décident de dire bon, et bah allez, on se barre. Oh là là. Ouais. Putain. Est-ce que j'ai vraiment envie de me prendre la tronche pour aller chercher un vieux pack de missiles? Je vous laisse décider les gars, qu'est-ce que je fais? Je vais le chercher ou on se casse de là? Si vous êtes encore là, je suis tout ouïe. Tout le monde est parti se coucher. Et ça, vous voyez, en mode difficile.
Il faut le double de missiles, ça n'a aucun sens. Hein. C'est l'enfer. Putain, tout ça pour un vieux pack de missiles, quoi. Quelle dégueulasserie, c'est vraiment fait chier pour rien. Ah ouais ouais bah ouais bah c'est ce qui m'est arrivé en mode difficile. J'étais en déche de missile. Pourtant j'en avais ah j'en avais plus de 50 je crois. Et ben obligé de repartir. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc ici? Oh putain, encore un vieux missile dégueulasse. Mais bon, on n'a pas le choix, faut les vérifier, hein, malheureusement. Donc là, c'est bon. Ici, tout est nickel. On peut repartir. Là ici, les deux côtés ont été faits. Ok, nickel. Et en fait, je voudrais bien aussi avoir donc le super missile et le charge-beam. Parce que ici, il y a dans l'arbre, dans le tronc, il y a un truc caché. Et je sais pas ce qu'il y a. Je crois pas qu'on puisse le défoncer autrement qu'avec le... Fais le voir. Ça se trouve, je suis comme un con à me dire qu'il faut à tout prix un... Non, non. Ouais, il faut bien... Il faut bien un super beam, y a pas le choix, sinon ça rebondit. Enfin un super beam, un super missile qui en tire 5. Ah ouais non, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai bien rincé en 3 heures. Après franchement j'ai eu beaucoup de chance sur la, ce que j'appelle la seed, donc la racine enfin la graine et donc après la racine de ce que le jeu m'a mis en sur ma route quoi. Parce que j'en ai vu sur internet il y a des trucs dégueulasses hein. Alors où est qu'il est celui-ci? Ok, il est entre les deux. Boum. Nickel. Ouais, carrément. Carrément encore. Moi, merde, non. Je vais m'en refaire de temps en temps, je pense. Mais à mon avis, je pense que je vais tomber sur les trucs dégueulasses. En tout cas, je suis content. Parce que le problème, quand tu as des mecs faire du randomizer, souvent, c'est tous des speedrunners, les mecs. Ils font tous des trucs dégueulasses. À la dégueulasse, et ils passent travers les murs et tout. Tu te dis, putain, mais en fait, le jeu, le randomizer, je peux... Je peux le faire sans en fait, c'est pensé pour ou pas du tout. Et bah écoutez, jusqu'ici j'ai envie de dire que c'est pensé pour tout le monde. Donc ça c'est vraiment super cool là. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Bon un missile d'intention globalement, à part le temps, ce qu'il y a derrière c'est un missile. Ouais, bah écoute, on va voir si je le finis jusqu'à la fin, mais alors pas ce soir, c'est sûr, là je commence vraiment à fatiguer. Je vais pas tarder à arrêter, mais globalement, je vois vraiment pas ce qui peut nous empêcher pour l'instant de... Où est-ce qu'il est le petit trou? Il est là. Putain, c'était un missile dégueulasse, bien sûr. Missile. Non, je pense pas, je pense qu'il me reste plus longtemps que ça. Pour la simple bonne raison, c'est qu'il me manque des trucs qui sont obligatoires, comme le charge beam et le super missile que j'ai pas, et le remix en fait. Et si le jeu là, décide de le mettre au plus profond des ruines de mines de Phazon, ben. Faut que je passe toutes les mines de Phazon et toutes les conneries derrière.
Là, par exemple, là, toi, il va y avoir ces connards là. Mais je sais même pas si je peux les blesser en fait avec un missile, si. Je suis même pas sûr. Hein. Je me demande si j'ai pas d'heure à revenir en fait. Non, je les touche pas. Hein. Je crois que je les touche pas. Et j'ai pas enregistré. Et la porte est fermée. Oh my fucking god, je crois que je me suis. Je crois que je me suis bloqué. Et j'ai pas enregistré depuis quand? Aïe 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 aïe. Alors là, c'est la merdasse. Ah si, je crois qu'ils craignent le coup comme ça. Oh là là. Le coup de chance, j'ai flippé. Hein. Oh putain, donc je me suis rappelé qu'ils craignaient le beam classique. Parce que là, c'était la merde. On va pas falloir être pressé non plus. Hein. Allez, cassez-vous là! Interminable. S'il vous plaît, please, je vous envoie mon rib, hein, et crevez quoi. Ah voilà, on voit, hein, ça y est. Et ben l'item dans le grottard, je peux pas le prendre, il me faut le super missile. Que je n'ai pas. C'est pour ça que je dis oui, en fait non, il me reste un peu plus longtemps que prévu quand même. C'est ça, exactement, t'as tout compris, sans le super missile et sans le... Oh, ça c'est chiant ça aussi, c'est pas lui que je voulais activer. Mais c'est pas grave, maintenant que c'est activé. Et sans un mix, il manque des trucs, quoi, tout à fait. Donc, non, je pense qu'il manque bien encore 2-3 heures de jeu, à mon avis. Mais dans tous les cas, je ferai une deuxième partie, c'est pas grave, hein. C'est juste que là, je commence un peu à fatiguer. En fait, dans tous les cas, le super missile n'est pas obligatoire. Puisque si j'ai tous les artefacts plus le rayon X, je peux aller battre les boss, tu vois. Mais j'ai bien peur que j'en ai quand même besoin. Merde. Merde, c'est lequel que j'ai pris du coup de fait. Ok, c'est celui. C'est celui-ci. Il m'en reste pas beaucoup, hein. Il m'en reste 4 des artefacts, hein. Ouais, parce que en fait, le Metroid Prime Ridley et. Enfin, Meta Ridley et l'essence du Metroid Prime, en fait, il demande juste le rayon X. Le reste. Pas obligatoire du tout. C'est plus long, forcément, parce que tu peux pas balancer tes super missiles, etc. Mais y a pas d'obligation, entre parenthèses, de les avoir. Oh ! Hey, ça va plus vite que sur la version remaster, non ? Non, peut-être pas. Non, je pense que c'est moi qui hallucine. Dommage que tout ça pour aller chercher un vieux truc là. Parce que je me sens que c'est un missile, hein, que j'avais vu tout à l'heure. Mais bon. Autant y être maintenant qu'on y est. Ça me fait un peu peur. Au pire, si je chope pas, c'est pas grave, c'est juste un missile. Si, c'est bon! C'est vrai que de ce côté-là, autant la jouabilité, je commence à vraiment à m'y faire, autant par contre pour tout ce qui est chopé dans les airs, c'est quelque chose. Hein. Je vais tenter juste un truc, je pense pas que ça marchera. Non, là ça va passer où.
Peut-être. Non, ça, tu m'emmerdes, toi. Hein. Casse-toi. Non. Non, clairement, faut le super missile. Y'a pas le choix. Et là, le problème, c'est que. T'as là, je vais aller. En plus, y'a plein de. Y'a plein de fantômes qu'on vient de faire là. Donc, Ah non, je crois qu'il y en a qu'un au début. Là. Donc, je pense que ça peut être seulement d'en profiter. De faire tout ce qu'il y a à faire dans la salle. Comme ça on n'y repasse plus après dans cette salle de merde. Il y a plein de fantômes. Avant toute chose on va aller enregistrer. Ah oui oui, il y a aussi un truc à aller voir. Un endroit sous l'eau. Bon, à mon avis ça sera encore un vieux missile dégueulasse. Mais on va aller voir. Ici de toute façon on n'a plus rien à voir. Non, 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 il y a là où on l'a battu flagrate, il faudrait y retourner, mais on passera par les mines de Magmor pour y aller, parce qu'on peut pas faire autrement de toute façon. Parce que quand on, en fait, quand on bat le boss, le chemin nous est fermé après, on a obligé de faire tout le tour. Ça serait trop facile sinon. Ouais, bah le super bomb marche pas, mais le super missile, oui. Ouais, non, j'avoue que bah, c'est la logique jeu vidéo. Hein. C'est vrai que des fois, il y a des trucs complètement cons. Faut bien l'avouer. Putain. Ça, c'est bien, mais en fait, tant que je peux pas charger, je peux pas le tirer, ce truc, quoi. C'est le super missile de glace. Putain, si j'avais su pour le remaster. Alors là. Ouais, on va enregistrer, j'ai pas envie de me retrouver dans la situation où j'ai failli être softlock par le jeu. En fait on va essayer. Attendez, moi je parle tout seul des fois, j'essaie juste de me rappeler ce que je veux faire. Et dans l'ordre où je veux le faire surtout. Histoire de perdre le moins de temps possible, de faire le moins d'aller-retour possible. Et là on revient à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Et je pouvais pas rentrer parce que j'avais pas le wave beam que j'ai maintenant, donc on va pas y aller. Putain, il faut que 400090N. Alors là, je suis désolé, j'ai pas compris. Hein. Peut-être, je pense que tu parles de la sauvegarde, c'est ça, quand j'ai sauvegardé? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui t'a... Et j'avoue que j'ai pas fait attention, tu parles peut-être de kilo-octet ou un truc comme ça. Je suppute. Alors ça par contre, attention. Là, la version remaster, je suis très déçu. Puisque ici dans cette salle, elle est moins jolie. Il n'y a pas les reflets. Quand on passe, le soleil qui nous éblouit. Ça par contre, ça va être une petite déception cette salle. Après bon, le jeu globalement est magnifique hein, la version remastered. Mais il y a deux trois petits trucs qui sont un peu... Ok, et eh bah ben, écoute, bonne soirée, je vais pas tarder, je finis juste 2-3 trucs là et puis let's go. Hein. Il y a quoi là-bas qui nous attend en haut? Qu'est-ce donc? Un energy tank, bah allez on va aller chercher de toute façon. Hein. Il y a quand même quelques effets quand même qui sont mieux. Hein. Là, vous voyez cet effet de... De transparence là, de ce soleil qui passe, et eh ben y a pas à chier.
Il est différent et je le trouve moins bien. Ah non, je peux pas le faire parce que j'ai pas le super missile. On va y aller. Et merde. Dommage. Donc énergie tank dans le fion. Ah merci, merci. Passe une bonne nuit, mec. Puis moi, je vais pas t'aller arrêter. Bien sûr, ça sera remis sur YouTube dès demain. Je pense pas que je ferai ce soir, puisque le temps que je télécharge, je suis à 3h18 de live. J'aurais pas le courage d'attendre que tout se télécharge. Alors, c'est pas le temps de téléchargement, en fait, c'est le temps de préparation de Twitch qui met 10 plombes. Et alors, à 3h18. Pas attendre 20 minutes. Désolé hein. Mais demain matin, prends pas de soucis. Allez. Merci. Fais pas appuyer sur le bon bouton. On n'est pas plus loin de la catastrophe. Non, c'est pas la catastrophe du tout. En plus, il suffit juste de remonter sur le chozo. Donc, en vrai, on s'en fout si je m'étais loupé. Allô, le jeu, merci. Là, je commence tellement fatigué que j'arrive plus à savoir quel bouton correspond à quoi. Là, je vais vraiment arrêter. Je fais ça, les trois trucs là. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est... Attends, mais il m'a renvoyé là? Mais il se fout de ma gueule là. Ah, mais putain, je suis un débile mental. Bah, oui, 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 la fatigue, c'est ce que je dis. J'ai bien tiré sur le truc, mais je suis pas monté. Donc forcément, ça risque pas de marcher. Et merci. Non, mais non. Je commence à m'agacer moi-même. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas à en passer par cette salle et se taper les fantômes de merde. Allez, s'il te plaît, donne-moi un truc où je puisse tirer avec mes missiles. Le charge-bim. Je sais que ça va être, hein, ça va encore être des missiles de merde. Il y en a 50 dans ce putain de jeu, donc forcément. Tenez. Tiens, 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 des missiles. Je suis surpris, hein, vraiment.
Avec un peu de chance, le dernier donnera un truc pas mal. Bien joué. Ça je vise bien. Hein. Allez! Allez, dis-moi que c'est un truc bien, s'il te plaît. Oh, si c'est un missile, je vais être dégoûté. Mais je sens que ça va être un missile, de toute façon. Énergie tank. Bon. On prend, hein. Ça reste cool. Alors, énergie tank. Ah non, merde! J'espère que j'ai pas cliqué sur un truc qu'il fallait pas. Un truc que j'ai pas. Non, c'est bon. 7, j'en ai vraiment 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8, messieurs, dames. Ah bah j'en ai bien 8, hein, c'est ça. Oh, je commence à dire n'importe quoi. C'est grave. Oh, c'est quoi cette petite animation là? Faut voir ça. Elle y est pas, ça, sur le remastered. Faudrait que je vérifie, hein. Mais j'ai un doute, là. Bon, est-ce qu'elle va le faire ou pas, à nouveau? Alors, attends 10 secondes encore. Ah, merde, elle fait un autre truc. Elle tient son engin, bordel de merde. Ouais, je sais, en fait, je pense que je vais faire tout ce que je peux ici. Même aller affronter les mecs là. Ça, on va aller juste à l'enregistrer avant pour être sûr. Putain, vous chopez de loin les cochons! Ah, vous avez faim, vous, hein! Merci! Alors! Là, c'est un point d'enregistrement, mais j'ai envie d'aller voir en face. Là, c'est vraiment celle-là, on trouve le Ice Beam. Qu'est-ce qu'ils vont nous avoir mis? Putain, non, mais j'y crois pas. Des missiles de merde. On va enregistrer, on va aller faire quelques trucs. Et puis, let's go. Hein. Parce que là, globalement, il restera plus que les mines de Phazon. Je crois. Hein. Je suis en train de réfléchir un peu. Après, ouais, c'est vrai que je connais le jeu presque par cœur, mais je connais pas tout par cœur. Ça me fait un peu peur. Il y a des trucs que je pense que j'ai pu zapper. Ouais. Ah ouais, putain, parce qu'il y a aussi là où il y a Flagra que je suis pas retourné. Faudrait que j'y retourne. Comment on y retourne? Bah oui, je suis con par les mines. Et il y a aussi un truc dans la base des pirates, mais que je peux pas aller, toujours pas, puisque comme je le dis, j'ai pas ce qu'il faut en super missile. Ah, vous avez dû l'entendre, hein, ce mot super missile depuis depuis le début. Désolé, hein. Mais alors vraiment, je pensais pas galérer sur ça. Ah, le con. Ah, oh, putain. Je craque. 130, j'en ai combien en fait? J'en ai 140, putain. Là je craque sur les sur les missiles, je craque. Je n'en peux plus.
Et là, un peu plus. Merde. L'autre bouton. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là? Des missiles, hein, en même temps, je pense que personne ne pensait trouver autre chose. Après ça, il ne reste plus que 20. On va bien réussir à tous les trouver. Ah bah tiens, hé. Ce serait pas encore des missiles ça par hasard? Ah non mais en fait c'est ça, faut que je décoche ça, c'est le charge beam, je suis trop con putain de merde. Ah oui bien sûr faut que je décoche les postes, c'est ce que je gueule depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Oh putain, s'il vous plaît, pas un missile, dites-moi qu'il y a... Oh, il y a le Vision Ray X! Oui! Oui, je suis pas venu là pour rien. Putain, merci, quoi. Merci, messieurs, dames, ça avance. J'ai envie de pleurer, là. Ouais, merci, Darmaniac! Putain, t'es toujours là, c'est cool! Allez, bah il manque plus que le super missile. Hein. De charge, oui, mais le super missile, et c'est bon, on y est. Bon, on y est. Il y a ces derniers artefacts, mais il m'en reste pas beaucoup d'artefacts. Il m'en reste 4, je crois. 3, combien? Combien? Il m'en reste 4. Ouais. Il y a des endroits où je suis pas encore allé, que je pense que c'est là-bas. Voilà, ça va être trop louche, je crois qu'ils sont 4. Ça va être nos amis les fantômes. Mais je me demande si je peux pas les esquiver en mode I show by. Je crois pas que je vais les tuer en fait. Hein. Parce que. Personne n'a envie de les tuer. Je vais voir. Le problème c'est que s'ils me touchent, je crois que j'ai un gros knockback. Knockback, c'est vraiment un gros effet de recul. Oh non, ça a l'air de passer. Ah, mais si, je crois bien que je vais être obligé. Ah non? Si, je suis obligé. Aïe, je vais être obligé de les tuer, ces cons. Bon, ce qui est bien, c'est que je peux les suivre à la trace maintenant avec le rayon X. Bon, je suis tombé, mais c'est pas grave. J'avais mis peut-être plus de place pour me balader, justement. Ils sont relous, hein, quand même. Hein. Sans les super missiles, ils sont relous. Hein. Ou même le charbim, parce qu'en fait, le charbim, il le craint beaucoup aussi. Hein. Mais là, sans. Faut avouer, c'est relou. Hein. Et encore heureusement que j'ai la vision X qui est permanente de les suivre dans tous leurs mouvements. Alors, le last one il est où là? Là. Où? Il est où ce con?
Et bordel. Limite une crampe à la main quoi, que ces connards là. Je regarde un truc. Est-ce qu'on voit... Non, on voit pas sa main de... Attendez, fais le voir. Est-ce qu'on voit sa main... Ah si, on la voit. Non, pas du tout. Dommage. Hop. Allez, on a plus qu'à remonter et on peut partir. Quelle heure? Minuit 14, bah ça va être parfait hein. Ça va être parfait. Oh putain, j'ai failli faire de la grosse merde. Alors, on regarde l'heure, on regarde pas l'écran. Ouais, ce qui arrive. On a bien failli retomber tout en bas. Bon, ça va pas être plus grave, mais bon. Pas le plus sympa non plus. Ah, attention, on va bien partir du bon côté. Savoir est-ce que non flagra, retourner à flagra au premier boss, la grosse plante, je ferai demain. C'est un aller-retour de merde en plus, j'aurai pas le courage ce soir. Là on va arrêter, je vais juste retourner au vaisseau hein. Donc en passant devant la frégate et on arrête, ça fera déjà un beau stream. Ça se trouve le charge beam il est à l'endroit où j'ai pas réussi tout à l'heure à faire les sauts. Les sauts de merde dans la lave. Ah, je serais pas étonné qu'il y soit. Oh, s'il est là-bas. Il va falloir que je m'entraîne. Hein. Il y a du taf. Parce que alors les sauts de. Les sauts avec les mini-bombes, pas ma spécialité, hein, vraiment pas. Alors ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je suis sûr que ça va être un truc de merde. Merde, hop, je fais n'importe quoi, à vouloir aller trop vite. Ok, missile. Ah non! Le charge-bim! Mais non, c'est dingue! C'est dingue! Bon là j'ai le charge bim, il me reste plus que le super missile et putain je suis bien là, après là je suis bien là pour tout. Hein. Alors, hop, energy tank. Allez, dégagez-vous les gueux là.
Et voilà, on va enregistrer. Retourner au menu, je vais voir ce qui est affiché comme pourcentage. Mais globalement, ça y est, moi je suis très content là. On a eu le charge beam que je cherchais depuis tout à l'heure. Ouah, ça fait du bien de s'arrêter. Alors, on va juste voir l'auto de complétion. Ouais, je dois bien être à 60%, je dirais. J'ai ramassé pas mal le truc quand même. Hein. 70 même. Là, je compte pas faire le 100%, mais en fait, le jeu te force quasiment à faire un 100% quand tu fais un. À 68, en 3h06. Pas mal. Et, franchement. Bon, à 3h06, c'est comme d'habitude, c'est ça compte pas tout. Bah voilà, merci. Merci à Twinsa d'être passé, merci Dermaniac. Passe une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et puis, ben, demain soir ou demain après, on va se finir ça tranquillou. Allez, à très bientôt tout le monde.